Il y en a eu une l'année dernière, il y en a une cette année, vous l'avez remarqué, ça va devenir une habitude sur la chaîne. Voici la vidéo Pokémon de toutes les ouvertures de l'année 2023. Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Light, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette nouvelle grosse vidéo. Bien, comme vous l'avez constaté au titre de cette vidéo et également à la vidéo que j'ai sortie l'année dernière en début d'année, aux alentours de fin février, début février, je ne me souviens plus exactement de quand je l'avais sortie, était sortie cette vidéo qui était un best-of de toutes les ouvertures que j'ai réalisées durant l'année 2022. Toutes les ouvertures Pokémon que j'avais réalisées de janvier 2022 à décembre 2022. Vidéo qui n'avait pas marché car à l'époque YouTube ne mettait pas en avant les vidéos qui contenaient des insultes et comme Antoine a tendance à beaucoup se lâcher quand on fait des ouvertures, la vidéo avait été pas mise en avant du tout. Alors que d'habitude les vidéos Pokémon sur ma chaîne, ça tape toujours les 100 vues au bout de 2 ou 3 mois. Du coup je pense que vous l'avez compris mais ça va devenir une habitude maintenant. En fait, vu que je ne peux pas poster tous les mois une vidéo ouverture de cartes Pokémon, vu que j'en fais quasiment une tous les mois sur ma chaîne, alors que je fais déjà une vidéo tous les 2-3 mois, et que je ne poste plus non plus mes ouvertures Pokémon sur TikTok, car la dernière fois que je l'ai fait, TikTok a littéralement détruit la qualité. Genre la vidéo qui avait été filmée de base en 1080p 60fps native, c'est-à-dire le format que j'avais filmé avec mon téléphone, était passée en 360p 30fps. Alors que tous mes autres TikTok passer en 720p 30fps, qui est le format TikTok. Donc voilà pourquoi je ne poste plus d'ouverture Pokémon sur TikTok. Et puis je trouve que de toute façon le format YouTube se prête beaucoup plus à ça que le format TikTok. Et du coup j'ai décidé de faire ça tous les ans maintenant. Tous les ans, en début d'année quand c'est possible, vous aurez le best-of de toutes les ouvertures Pokémon que j'ai fait durant l'année qui vient de passer. Là on est en 2024, donc forcément vous allez voir dans quelques secondes toutes les ouvertures Pokémon que j'ai fait durant l'année 2023, de janvier à décembre. Quasiment tout en compagnie d'Antoine, je crois qu'il y en a une seule où je l'ai faite seule. Voilà, parce que je sais que vous aimez bien quand on est avec Antoine, on fait beaucoup les cons. Et en général, les ouvertures Pokémon, c'est le moment où on déconne le plus avec les vidéos anecdotes. Du coup, pourquoi cette vidéo sort aussi tard? Pourquoi elle sort fin avril, début mai? Je sais pas exactement quand est-ce qu'elle sortira. À l'heure où je la tourne, on est milieu avril, mais je sais que le temps que je fasse le montage et tout, parce qu'il y a des heures et des heures d'ouvertures Pokémon qui ont été faites durant l'année à des rushers. Donc ça va être très très long de faire le montage. Pourquoi ça sort aussi tard? C'est tout simplement car, à la base, la première vraie vidéo de l'année, c'est-à-dire après la review que j'ai fait en janvier, qui est la review de l'année précédente que je fais à chaque fois, ça devait être cette ouverture. Sauf que j'avais promis aux gens, notamment aux gens de TikTok, puisque la plupart des personnes qui regardent mes vidéos YouTube viennent de TikTok, j'avais promis à mes abonnés TikTok de sortir le plus vite possible la deuxième partie de mon émission Affaires Inclassables sur l'histoire des jeux FNAF. Vous l'avez vu, la dernière vidéo de ma chaîne à l'heure actuelle, avant que je poste celle-ci, c'est l'histoire des jeux FNAF, deuxième partie sur FNAF 4 et Sister Location. Donc du coup, ce qui fait que cette vidéo a été la première de l'année, elle m'a pris énormément de temps à faire, hein. Elle est sortie en avril, c'est une vidéo qui a pris beaucoup de temps d'écriture parce qu'il fallait que je réécrive les théories que j'avais jusque-là, qui étaient un bordel sans nom, un fouillis, pour en faire un script correct qui passe en vidéo YouTube, tourner, monter. Et alors le montage, c'est ce qui prend le plus de temps sur ces vidéos-là. Il y a eu 13 heures de montage, bref. C'est une vidéo qui m'a pris énormément de boulot. Bref, du coup, voilà pourquoi la vidéo a mis du temps à sortir et qu'on est déjà quasiment en avril. Et que depuis le début de l'année, il y a déjà eu, je crois, 3 ou 4 ouvertures Pokémon avec Antoine que vous ne verrez pas cette année. Du coup, il y a eu de magnifiques ouvertures. Il y a eu une ouverture de Destinée Radieuse qui était incroyable. Une ouverture de Destinée Apaldea, qui est la nouvelle collection Destinée. Vous voyez, là, le TB, elle est vide. Hein. Il n'y a plus rien dedans. Et cette ETB, que j'ai pas encore ouverte pour le coup, vous voyez, elle est encore sous plastique, qu'on a prévu d'ouvrir avec Antoine la semaine prochaine. Voilà. Bref, l'intro est déjà beaucoup trop longue, donc sans plus attendre, mesdames et messieurs, profitez de ce best-of des ouvertures Pokémon de l'année 2023. Focus. Ça vous T'en as encore d'autres. On n'oublie pas le traditionnel hashtagade des vidéos en featuring avec Antoine. L'hashtagade Pulco virement. Il y a toujours au moins une marque de boisson. De jeu. Le TB, bien évidemment. Ah, j'ai le TB. Le guide de jeu dont on se fout un petit peu, on va pas se mentir, il vient là. On a fait un petit backstage là, juste avec une ouverture. Hein. Juste le TB, c'était déjà le bordel. Alors là, il y en a deux, juste 4 autres bon jeu de merde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le jour où il y en aura 9 ou 10, on va y aller. Hein. Je laisse pas les boosters de mon côté, parce que voilà. Il y en a trop le LOL. J'ai pas envie de tout peser, voilà, sans ça. 50 centimes.
J'en ai 4 milliards, des énergies, voilà. C'est bon. Ça c'est sympa. Voilà, ça c'est sympa, je m'en sers pour les séparer quand je vais en braderie. Bah, je m'en sers dans ma petite boîte de... Quand je range les cartes. Vous allez voir la gueule des séparateurs Giratina. Mon dieu. Voilà, et le petit dé. Est-ce qu'il y a le sigle fait? Ah non, toi non. Bah ouais, mais si, mais c'est la face qui est cachée. Ah, 8 boosters origine perdue, j'avais oublié le nom de la collection. Alors, celle-là, elle est magnifique hein. TV sublime. C'est pour ça que je l'ai acheté, parce qu'elle est sublime. J'achète pas toutes les ETB, hein, faut savoir, il y a des ETB dégueulasses comme le TB Clash des Rebelles avec le Pachi Raja infâme là, orange et vert. Pas le magasin, la ouais. Je suis humoriste, bien sûr. Retrouvez-moi tous les 31 février à l'Olympia. Les boosters, ils sont pas plus grands. Les boosters. Oula. Pourquoi lui il est plus grand que les autres? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pourquoi il y en a un qui est plus grand que les autres? Voilà. Ils sont pas tous de la même taille, il y a un problème quelque part. J'ai pas trop compris ce qui a été fait sur le découpage des boosters et sur le rangement de l'ETB qui est anarchique. Ils sont verts. Ils sont gold. Ils sont gold de match. Voilà. J'adore les petits marqueurs de dégâts. C'est déjà. Oh là là, vous verriez par terre ce qu'il y a déjà alors que c'était deux produits seulement. Incroyable. Oh là là. Alors là, les sleeve gold, je suis giga fan. On va les utiliser. Oui. Oui. Mais non, c'est gold quand même. Hop. La carte code est toujours sublimement cadrée, c'est faux. Et encore. Voilà. 50 centimes par ta gueule. Est-ce que le dé est intéressant? Oh oui. Ça, c'est joli ça. Oh oui. Oh, il est très intéressant. Hop là. Allez, cassé. Oh là là. C'est magnifique. Voilà. Bon, là on arrive au moment où il y a des cartes promo à déballer. Alors, c'est un bordel, hein, vous sentez? Alors, autant les ETB, ça s'enlève. Vous voyez, on enlève le capuchon. Le capuchon et on a les boosters. Autant là, faut enlever le carton, le plastique. Bon, alors finalement, j'annule la promesse d'utiliser les sleeve gold parce que c'est déjà trop le bordel. On va pas rajouter du plastique, les gars. On va tomber la terre, il t'a insulté. Oh, c'est beau. C'est quoi ça? Ah, c'est bon, les anglais. Ah, c'est fiche produit. Bah, garde la fiche, hein, c'est bon. Hein. Alors, dans le premier booster, il y a... Bah, garde-le. Tu sais, il te spoil les cartes. Tu gardes la fiche quand même. Elle est belle, la fiche. Voilà, comment sont faits les pâtes en Angleterre. Oh, bon, oh là, oh là. Bon. ASMR du bruit du plastique qu'on ouvre. Bon, la carte de la géante, elle est... Ah, si, elle est bien cadrée. Enfin, un peu... Ouais. C'est mieux cadré en Angleterre qu'elle est belle. C'est mieux cadré en Angleterre qu'en France, faut croire. Attends, bon, ça reste la jumbo. Booster, hein. Nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est les trois qui sont là. Au niveau cadrage, on est bon. On est bon. Je crois que étonnamment, c'est mieux cadré en Angleterre. Et donc, la petite Zera aura V. Ouais, je vous refais le focus. Très très belle, hein. C'est qu'une V pourtant, hein, mine de rien. Pourquoi je regarde la caméra alors que je peux la voir dans la vraie vie? Voilà. Je regarde ouais, à travers moi, la caméra. Moi je regarde à travers la caméra pour voir si ça tourne bien. Bon, ça tourne pas, faut commencer. Allez, on range tout. La VMAX, elle est très très belle. Le cadrage est bon aussi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des VMAX en plus, donc on est content. La VMAX, très très belle aussi. Hein. De toute façon, les VMAX, ça a toujours été beau. Peu importe. Mais un peu Et bien évidemment... Là, c'est la V-Star. Devinez laquelle est mal cadrée. La V-Star. Je déconne, elle est bien cadrée. Ah. Voilà, elle est bien. Mais j'ai toujours pas eu de V-Star quand on y pense. Hein. À part la promo. Oui, à part la promo de... Givarali ou Filali, je sais plus. Filali, voilà. Zera aura V-Star. Ouais, t'as même pas acheté le Lucario. C'est non. Bah non, il était trop cher. Ne vous inquiétez pas, le bruit se sera atténué au montage si c'est trop fort. T'as vu le dépit avec lequel je lance le coup, ouais. Les... Parce que je sais que ça va être le bordel à la fin. Il reste 3 packs. Allez. Pack anglais. Encore. Deoxys, VMAX... Et V-Star, tout comme Zeraora. Ouais, le cadrage il est pas très bon. Deoxys V-Star Jumbo, on s'en fout parce qu'on va montrer la version petite, la version classique. On voit le cadrage de la V, yes. Bah donc ils diront que les cadrages... Visiblement en Angleterre c'est pareil. C'est drôle ça. T'es mal cadrage. T'es mal au haut et au bas. T'es mal au haut et au bas. Oh bah
Ah oui, j'avais pas vu. Y'a rien en haut. Ah si, mais y'a un petit peu de matière, quoi. Voilà. Ouais, les deux ont l'air mieux cadrés déjà, parce que je vois là de derrière. L'arrière. Non, c'est bon. Deoxys VMAX qui est en forme défense, le premier Pokémon de la vidéo Pokédraw pour Antoine. C'était Deoxys forme défense. Ça va pas trop marcher. On rappelle que le prochain challenge Pokédraw, c'est la photo de profil TikTok pendant au moins une à deux semaines. Ouais, non, un mois. Un mois. Le dessin, un mois. En photo de profil TikTok. Ça serait bien que je passe les... Rigoler, je suis sûr que ça peut faire gagner des abos dans un profil comme ça. Et Deoxys V-Star qui est un tout petit peu mal cadré, mais vraiment ça se voit pas, c'est minime. J'espère atteindre les 1000 abos avec... Super belle. Quand on fera ce truc, comme ça au moins ça aura de l'importance quand même la photo. Comme ça, s'il y a 1000 abos. Ok, originel. Alors, Palkia originel V-Star. C'est du français, ça. Là, c'est du French. Parce que c'est... Sur internet. Voilà. La V-Star. Ça, c'est sympa, ça. Un petit goodies comme ça, c'est toujours sympa. En plus, il est super magnifique. Beau. T'es sûr des avoirs. Ça, c'est sûr. Vu dans ce sens-là, c'est vrai que c'est pas plus mal. Ouais, au moins, t'es sûr des avoirs. Voilà, Palkia originel V-Star. C'est chiant, hein, les ouvertures. On va passer à l'ouverture des boosters après, vous inquiétez pas. Ce sera beaucoup plus... Bah, ce sera sympa. Parce que là, pour l'instant, le seul moment cool, c'est quand on découvre les cartes promo qui sont magnifiques. Le reste du temps, on se fait chier à ouvrir. Bah ouais, il y a les boosters à sortir, il y a l'ouverture du carton. Et puis, vous voyez pas ce que je vois, moi, et qui me fait chialer sous le... Sous le bureau. Le bureau, là, c'est... Regardez, comme c'est sublime. Il y a un arc-en-ciel et tout, c'est magnifique. Si ça, c'est pas des full art sublimes, je sais pas ce que c'est, franchement. Moi, puis alors la Dialga. Moi, maman. Ma set. Ça faisait longtemps que je l'avais pas dit, moi je peux le dire. Allez, dernier pack, vous inquiétez pas, on y arrive. Non, il reste pas de Jules Macacrylique. Pardon. Ah, c'est batterie faible. Ma collection de pins, franchement, ça... Ça commence à être très satisfaisant. Ouais. On a passé combien de temps là sur juste une ETB sur moi? Ton ouverture à toi? 17 minutes. Voilà, j'allais dire un quart d'heure. 17 Topkin. La Dialga Original V-Star. Et bien sûr la plus belle. En tout cas, on n'a pas à se plaindre des cartes promo. Ils se sont pas foutus de notre gueule, Pokémon Company. Non, là franchement, c'est des belles cartes. Si on oublie les packs Voltorb V. Oui, qu'on a vu à la FNAC. Le cadrage de la carte promo. Abusé. Il faut être pas belle. Ah oui. T'es mal bas. Par rapport au haut. Par contre, la carte en elle-même, encore une fois, elle est sublime. Magnifique. Ouais, c'est très beau. Voilà. J'étais un petit peu déçu de ne pas les avoir eu dans Astro Radio pour vous dire, mais quand j'ai appris que ce serait des cartes promo, je me suis dit bon. Pas plus mal. C'est sympa. Bon. Il y a 34 boosters. Combien de bangers selon toi? Il y a combien de boosters? À peu près 34 boosters. Oh, 4 bangers. 1, 2, 3, 4, 5 collections différentes. Attends. Ça tombe beaucoup là-dedans. Combien de bangers, Antoine? 4. Attends, banger, tu comptes quoi? C'est trop. Grosse carte. 2, allez, 2. Allez, on est parti, énergie plante. C'est en anglais, donc on va traduire. Hipporoi. Perdu, hypocéan. Hipporoi, c'est vrai. Le masque de la panique. Excusez-moi, j'avais vraiment envie de faire une blague. Par contre, dis-le en français, parce que... collé au dôme. Ah bah ça, c'est... Non. Jinx, c'est dans League of Legends. J'allais dire une bêtise. Poutou. C'est Piatop. Rongrigou. Alors j'ai même pas les noms. Ah ça c'est... Hexadron. Ah non, c'est du Rombrilex. Titard. C'est bien Antoine. Titard. Pas de TG pour commencer. Ah bah le masque de la panique. En reverse. Et quelque chose déjà. Ça aurait été drôle. Ouais. Une holo. Exactement. Bam. Oh, Trévenant. Bah tiens, parlons. Trévenant. Oui, mais c'est... Comment, c'est quoi? Bonjour, c'est Trévenant. Moi, c'est Trévenant. C'est quoi en français? Ah, des Céliandes. Voilà. Rosslom. Choupette. Oh, la traduction, elle est géniale. Choupette. Donc c'est Polichambre. Petit combat. Excusez-moi, j'aurais dû saluer. Non. Oh bah, ça a pas changé non plus. Luminéon. Ça tourne. Aïe. Les bras de warm-up. Machoc. Ah bah, c'est pareil qu'en France. Enfin, non, c'est Machop. Ah oui. Bing bong.
Bing bong. Blick bug, je crois. Blick blip bug. J'ai oublié comment il s'appelait ce connard en plus, c'est ça le pire. Luminéon. C'est la sous-évolution de Luminéon. Je vous avoue que je les ai pas tous non plus. Oh. Zorua de Hisui. J'aurais bien aimé l'avoir lui dans. Ah bah non, mais j'ai pas d'ouvrir donc j'ai pas compris. Oh là là, c'est mal découpé. Il y a quelque Paras. Chose. Non, c'est mal découpé surtout. Ah. C'est bien top. Après, il y a peut-être une TG, hein. Je rappelle qu'on est d'origine perdue. Oh, radieuse. Ça brille. C'est une radieuse. Radieuse. C'est une radieuse. Violet. À la Kazam. Oh non. Oh, oh, c'est mieux qu'à la Kazam. C'est mieux qu'à la Kazam. C'est la guerre de voix radieuse. Et. Non. Ouais, on s'en bat les couilles. Donc c'était un code. Blin. Et le cadrage est pas fou sur les côtés. Comme on voit droite et gauche. Mais bon, mais c'est pas grave. De toute façon, tu les fais pas, tu les fais pas grader. Non. Donc, voilà. Les radieuses, c'est un banger. Hein. C'est très rare. Bon, bah. Hein. J'avais oublié l'existence des radieuses, il est vrai. Et. Non, attends, j'ai pas fait. Vous êtes passe-muraille ? Oui. Non, passe-partout. Ouais, mais c'est pour ça que je voulais dire passe-muraille, justement. Bon, bah. Je rappelle qu'à une époque, il y avait passe-temps. Il est décédé. Oui, il y avait boue aussi. Non, la boule. La boule, pardon. Il est décédé lui aussi, non ? La boule. La boule. Ouais, il est décédé. Ouais ! Ouais, allez, le cadrage voilà. Ah oui, j'ai pas vu. On sent que c'est que la carte énergie, hein. Énergie feu. Crabbing. Non. Comment il s'appelle ce connard, putain. Bon, c'est la sous-évolution de. Voilà. Le cadrage sur certaines cartes, mon dieu. Ouais. Iscan ! Je sais pas son nom. Matchup. Je vois du noir. Hein. Oui, je dis rien. Donc, peut-être une Black Gold. Slugma ! Mimagma, bien sûr. C'est les féries. Donc, les Cléphérie, c'est les féries, ouais, téléphérique. C'est Mélofé, bien sûr. Oh bah tiens. Roselia, voilà. Bah, voilà. Roselia. Porygon. Porygon, c'est bien, chose. Ça change pas au moins, c'est pas chier. J'ai déjà dit deux fois. De... C'est Piatop. Ah oui, c'est Piatop. Oh ! Non ! Oh là là. Non, c'est pas. Oh, ah. Là, là, oh là 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 là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh, je vais avoir une Dracula Full Art. Ah oui ? Je vais avoir une Dracula Full Art. Full Art. Et non. Et non. Oh là. Ouais. Ouais, c'est la garde-voir qui a des petits côtés noirs. Énergie électrique. Énergie électrique, tout à fait. Luminéon. Luminéon, bah on l'a eu, tiens. Ah, donc ça s'appelait le bras remontoir. Ah bah putain. J'ai dit warm-up bras. Warm-up bras. Bras de warm-up. Match-up. Roselia. Ouais, il y a juste un accent. Roselia. Oh, muscule. Muscule. Muscule, c'est un nouveau Pokémon. Musculation. Ah ouais, je vais donner mon brevet, hein. Méditica. Bon gourmand. Bon gourmand. Antoine, il va faire la traduction des Pokémon de la 10ème génération. Scorplan. La 9ème est déjà passée. Scorplan. Ça a pris, je crois. Ça a... Ah non, c'est bon. Non, c'est une simple reverse. Oh, c'est une belle. Avec le petit effet, si je vois vraiment du gris derrière brillant. Il y a du gris. Oh là là, Vestar. C'est une Vestar. Rainbow ? Non. Non, non, j'ai pas l'impression que ce soit la texture simple, Rainbow. Non, c'est une simple Vestar et c'est. Oh la 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 la. Elle est en diagonale, je crois. Ouais, c'est le problème des Vestar français, j'ai l'impression. Mais bon, je crois. C'est pas... De toute façon, on les fait pas grader. Giratina Vestar. Bizarre. Alors, énergie plante, Bizarroi. Pompe à dégâts. Pompe à dégâts, c'est nul à chier. Nul à chier ce truc-là. La pompe à dégâts. C'est hyper. C'est hyper. Très, très, très spécial l'illustration. Non, je vois pas très bien. Tomokazu Komiya. Il y a une. Caninos de Hisui. Grenipio. Elionso. Elionso. Je suis pas spoil, c'est bon, c'est du noir à cause du contraste de la caméra. En chouette, ouais, moi aussi en j'ai. Chouette. Ah, moi j'ai vu du noir, mais. Ni magma, c'est... Hein, c'est plus logma, c'est bon. Oh là ! Ah, c'est une TG du coup. TG 09 sur TG 30. Donc c'est. Oh là là là. Oh, c'est beau ça. La Spiritombe. Oh, c'est beau Spiritombe. Oh, c'est beau. Oh, pardon, oh, pardon, êtes... oh, pardon, je vais mettre ça en sourdine. Oh, ah, c'est beau top. Ça. Oh là là, la Spiritombe. Oh, ça c'est beau Spiritombe. Trainer Gallery. Oh merde. T'inquiète.
C'est juste le fond d'écran qui s'était barré. Spiritombe, Trainer Gallery. En plus, j'adore les Pokémon Ténèbres, Spectre et tout. À part ça, À part ça, on a pas de choix pour passer. Super belle. Hein. Être l'exception qui confirmera peut-être la règle, du coup, Vestar. Limonde. Bah, Limonde de Galar. Ça, elle porte bien son nom. Boîte à désastre. Le masque de panique, la pompe à gonds, la pompe à. La pompe à des pompes et la boîte à désastre. Archéodong. Ah bah moi c'est ma Trainer Gallery que j'ai eu, non? Kumfuin. Non, c'était pas Archéodong, je sais pas. Non, moi j'ai eu deux fois Archéodong. Fessir. Ah oui, bah tu m'en as donné une, je crois. Ouais, je crois que je te l'ai changé. Je sais plus contre qui, mais. Ah bah sûrement. Capulma. C'est possible, ouais. Rhinocorne. Oh! Elle est en anglais, non? Finish Destructeur. Mais. C'est pas Jirachi normalement. Jirachi n'est pas d'origine perdue, hein. C'est Tempête Argentée qu'on a ouvert. Oui. Bah là, ça pourrait être qui en. Attends, en gris. J'aimerais bien voir sur l'iPad, mais ça va prendre du temps. Non, Tipacier. Je sais pas, c'est qui? Oh là! Oh! Oh là! Oh non, elle est magnifique! Oh là! Oh là! Oh là! Oh, j'ai vu Stig, je me suis dit, putain, il est en or! Oh putain! Et. Ah non, y'a rien. Ah, peut-être une holo? Oh là 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 là. Donc c'est noir, ouais. Oh là là. Alors ça, mon gars. Alors Steve, ça, tu viens de gagner 2-3 bangers. Voilà, 3 bangers, je l'ai dit. C'est non, là, radios, tu seras trop humilié. Ouais, mais mec, les radios, ça tombe pas autant d'habitude. Oh là 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 là. Bon, on manquerait plus qu'on ait une Stylix radieuse aussi, comme ça je peux repartir avec le radio. Non, je déconne. C'est moi, j'ai qu'une double. Sublime. Sublime. Oh là là. Le cadrage en plus, il est bon. Ouais. Magnifique, franchement. Déjà 3 radieuses. Hein. Ouais, ouais, je. Et deux alors, et puis la énergie acier. Après, à tous les coups, je peux avoir une Vestar à l'intérieur. Expérience de Nicolai. Oh. Noir et blanc, Team Plasma. Dodo, alors. Et dans le 2, il a fait des expériences avec. La caisse en outils. Non, c'est pas Kyogre, c'est. Roselia. QRM, Lucuscule. Médica N, meilleur antagoniste. Hein N, N. Meilleur antagoniste, rien à foutre de votre avis. C'est. Rongouron, il n'y a pas meilleur antagoniste, je suis désolé. Oh. Ah, je croyais que c'était une. Majarna, donc on a minimum une holographique. Allez, ce sera Allez, c'est ça, Ivry. Oh putain. Rouge. C'est pas elle, là. Arcanin de Hisui. Elle n'est pas en V. Non. Non, non mais ce ne serait pas une rouge, là, c'est type. Ah oui. Arcanin de Hisui, je dirais peut-être, mais je suis pas sûr. Oh non, Goupelin. Goupelin V, je l'avais oublié, effectivement. Attends. Elle a problème. Oui, vérifie à combien se charge son iPad, vous inquiétez pas. 76%. Le tournage du. Le cadrage du haut et du bas, c'est pas fou, le mais. Tournage. C'est plutôt correct en vrai, c'est pas foiré. Donc ça va. Goupelin V. Bita 1, 2, 3, 4. Non, alors là, je suis désolé, je suis obligé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alors les gars, bonjour, bienvenue pour... Non, ça n'existe pas les God Pack. Bon les gars, désolé, je vais pas dire le nom des cartes. 1, 2, désolé, j'ouvre vite. 3, 4, 5, bah va pas trop vite, 6, non plus. Elle est magnifique. 6, 7, 7, 8. Alors il peut se passer quoi? 9, j'en sais rien du tout. 10, 11, 12, 13. Alors là, c'est parti. On rappelle que Astro Radio en français, c'était très chanceux. Energy Psy. Gros drive. Bah voilà, les flèches, j'avais raison, c'est voilà. Les blessures d'entre deux. Oursaring. Alors je veux rien dire, mais j'ai vu du noir. Psychoquack, ça peut être le reflet, on se fait avoir depuis tout à l'heure. Là, juste avant, on s'est fait avoir sur le Magirev. Chlorobule. Ah, c'est pour ça que tu l'as ouvert rapidement. Serfrousse. Non, justement, j'ai ouvert rapidement alors que ça aurait pu être une V parce qu'il y avait du noir, mais je me suis dit, c'est une chance sur deux. Grelasson, donc c'est pas Glaceon. Ah. Ponyta. Est-ce que tout le reste était à l'envers? Ponyta en foiré à l'envers. Oh! Bah c'est une Max Alternate. Non. Du coup, bah si. Oh là. Bah c'est celle que j'ai en anglais. Ah bah au moins tu l'as en français. Silveroy, Cavalier du Froid. Ah, donc les VMAX elles sortent. Donc le noir, on avait raison. Donc le noir, okay, j'avais raison. Alors là, j'ai l'impression par contre que le cadrage, je vais rigoler. Banger? Ouais. 4. Voilà. Ma prédiction a marché. J'ai dit 4. Ouais, non, je sais pas. Cadrage plutôt bon, j'ai envie de dire. Et j'ai dit 4. Cadrage plutôt correct.
Silveroy, Cavalier du Froid, VMAX. Bon, bah, c'est une VMAX alternate, hein, littéralement. Donc ça sort un Blue Deliver qui est VMAX alternate. Vous le voyez, c'est magnifique. Hein. V-Star. La France a plus de chance. Roxane. Oui, on a pas plus de chance, c'est plus de chance. Togetic, Arcane. 2-1. Tiens. Violet Courage, Forêt. De toute façon, il n'y a pas d'anglais qui regarde mes vidéos. Baralos. Donc là, à tout moment, il y a bien 4 ultra pour 4 boosters. Evoli, impossible, quasiment impossible. Bah c'est, on peut toujours rêver. Hein. Possible, mais quasiment impossible pour moi. Baguette. J'ai rien dit. Baguette. Baguette. TG01 sur TG30. Baguette. Oh là. Oh. Blizzaroi, c'est pas un Pokémon qu'on a l'habitude de voir. Oh, une petite Caldeo. Ça c'est mignon. On va mettre l'holographie ici. Et donc Blizzaroi, Trainer Gallery que je n'avais pas. Et le cadrage est plutôt correct. J'ai appris pour avoir trouvé Calbanger. On n'a pas encore ouvert de booster. Ah oui. Il reste encore. Oh putain, ouais, il reste le Tempête Argentée. Et il reste. Ah non, ils sont finis. Hop, Blizzaroi, Trainer Gallery. C'est une TGMV, je rigole. Hein. Oh bah alors, je sais. Energio. Ou imagine une TGV Max. Magneton. TGV Star. Curry épicé au piment. Genre, il n'y avait pas assez de épicé, il fallait rajouter au piment. Electord. Trod. Et Trod de l'issue, ouais. Hippopotasse. Hippopotasse. Hérissandre. Hérissandre. Scalpion. Scalpion. Oh, il est beau. De ici, alors c'est là, alors là c'est là où on va être, où on va le savoir. Ah non, c'est là où on va le savoir. Torbe de Hisui. Oh c'est une radieuse. Et une non. Non. TG 12 sur 30, je l'ai peut-être déjà. Non, c'est la Oot-Oot. Oot-Oot Trainer Gallery. Ouais. Je reconnais. Oot-Oot Trainer Gallery. Et il y a une V. Une V. Et c'est le Clamiral oh de là V là. Des Pokébox. Je l'ai prédit là. Il y a une TG et une V. Et comme par hasard il y a une TG et une V. Ah oh, bon bah voilà, 4 boosters. Hop là, Oot Oot. C'est ça qui est drôle. Oot-Oot avec Trainer Gallery qui a un beau cadrage et un beau et décor. La Clamiral qui a quand même un beau cadrage aussi. Et la Clamiral de Hisui V qui a un cadrage foiré sur les côtés. Bon ça va, c'est pas trop mal cadré. Voilà, mais ça se voit pas énormément. Et Clamiral de Hisui V, on n'a pas eu beaucoup de V hein. Tu remarques qu'on a surtout des dingueries, mais les V classiques elles tombent pas trop. Énergie plante, Antoine a dit il y a une ultra rare. Hein. Je sais pas, Draco. je le sens bien. Donphan, je rigole si c'était un code blanc. Je peux regarder ? Non, je l'ai connu. Neos. On verra si j'ai bon. Sinistrel. Stalgamin. Stalgamin. Masquaiement. Cornèbre. Cornèbre. Attention, une TG ça compte aussi comme. Une TG, une radio, oui, bien c'est, sûr, une, c'est sûr. Une ultra. Bon. Un cinquième banger parce que c'est forcément une V. Bah ouais. Oh la vache! C'est oh là! Oh! Oh! Si c'est une V alternate, je me fous en l'air. Si c'est la Lugia. Oh là! Oh. Allez! C'était le premier booster. Antoine il a dit: je sens, il y a une part. Allez! On arrête Tempête Argentée, c'était sympa. Oh merde. La base, je devais pas avoir ces boosters là en plus. On a acheté le TB ce matin. Oh merde. Oh la vache, non mais... C'est une quoi ça? V alternate. Non, non, ouais, V alternate, TG, ouais. Non. Leur galerie 17 sur 30. Attends, y'a combien de bangers là? Attends, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, on va faire Banger. 5, 2, 3, 4, 5. Putain, moi je suis au-dessus de ma paix. Oh, oh. Misdibule, c'est quoi ça? Clique à côté. Voilà. Ça marche? Oui. Ça enregistre le son. Ah, je vais peut-être te laisser passer. Ouais, je vais recliquer dessus. Comme ça, il est ouvert en lui-même. Oh là. Misdibule V alternée. Bah, c'est bien, t'as la Reshiram Full Art. Magnifique. Hein? T'as la Reshiram Full Art de noir et blanc. Bah, magnifique, les gars, et surtout. La Misdibule est sublime, mais surtout ça, c'est sublime aussi. C'est mieux qu'une alternate. Hein. C'est la Reshiram V. Elle est Full Art. Full Art. Bah oui, les TG, c'est Full Art. Les Trainer Gallery. Regardez les couleurs de la Reshiram Full Art. Elles sont juste sublimes. Alors c'est dommage que les full art ne comptent pas pour des bangers. Oh putain, le booster, les gars, le booster il nous a mis KO là, on a plus envie de tourner. Oh, j'ai dit, je le sens, il y a une ultra rare. Oh le booster il nous a mis KO, putain, il nous a tué le booster.
J'ai dit 1, 2, 3, 4. Hein. Oula. Draco, ouais, je l'ai vu direct. Il y a une. Coatox Liputu. Je parie une ultra. Tilton. Je crois que je le sens. Sucroquin. On rappelle ce qu'il a senti tout à l'heure. Hein. Bah, t'es belle la senteur. Entière. D'oreille, il avait marché. Il sentait très bon. Hein. Mutisma, Pyroli. Oh là. Oh bah. Et si c'est une Pyroli, non. Il n'existe pas, je crois, dans cette série, en TG. J'ai voulu faire la blague du Goupix qui est Pyroli. Rocabo. Oh là, oui. Rocabo. Oh là. Et, très très fort. Et, ah non. Je suis très très fort. Oh si, bah une petite eau. Oh. Ah. Ah, On est sûr qu'il n'y avait pas d'énergie là. Ouais, ah, oui, ça commençait par Draco. Ok. Terrakium holographique, quatrième holo. De l'ouverture. J'ai une ultra, ouais. Oui, effectivement. Rocabo, du coup, trainer galerie. Je recommence à avoir ma senteur. Et je recommence à avoir ma senteur. Ma senteur d'antan, pardon. Je rappelle que juste avant, les deux bonnes prédictions, il y en a une de fausse. Hein. Rocabo. Ah bon? Ouais. Ah. Rocabo, trainer galerie. Comment ça pue, hein, de place. Le gars qui est dégoûté d'avoir ses ultra, ouais. C'est. Alors, énergie acier, oui, Locpin, Quadrock, énergie régénérante, Mascaillement qu'on a eu juste avant, Sucroquin, Vorastéri, oui Messire et pas non Messire, oh putain je suis humoriste, dis donc, Buto. Je suis drôle, oh, pardon, bah viens le terminer, oh là. Oh là, pour le dernier booster. On en a déjà eu en plus, hein, lui, en carte promo. Imagine, là, il y a Zekrom. Oh là. Regardez oh là. Ça, là. Oh c'est ma ligne. Oh là. C'est Arcanin de Issui. Assez sombre, hein, la carte. Ça, j'ai pas compris le délire qu'ils ont essayé de faire avec. Yes, j'ai tapé. Eh ben, dis donc, Tempête Argentée, t'as eu pas mal de chance. Arcanin hein. De Issui, V. Ne vous inquiétez pas, je gère. Je suis pas du tout en train de paniquer. Ah, le cadrage. Ouais, bon, on s'en fout. Le cadrage, tu vas la mettre plus précisément sur le côté droit. Je peux pas. Il n'y a plus de place. Zera aura V Alternate. Si, ça passe. Trainer Galerie. Alors, et le voilà, booster intéressant. Tempête argentée. Énergie feu. Si, le jour de leur sortie. Ah oui, le jour de leur sortie. Ah non, un jour avant, effectivement. Un jour avant, c'est pas ça semblait. Glace chanceuse, Lombré. J'étais dans un carton. Rhinolove, si on a la Rayquaza V Alternate. C'est la meilleure. VMAX Alternate. Même Psychoquack. C'est ma célébration et Tilton. Est battue. Grenipio. Bah elle est déjà battue là. Chauve-sourire. Ouverture. Je rappelle que les Rivers, il n'y avait rien, donc on peut y aller direct. Gant de caoutchouc. Et une petite Zygarde holographique quand même. Ok, bonsoir, c'est Lightfire. C'est bon, t'es dans le cadre. En plus, je m'appelle Light en plus maintenant. C'est vrai. Avec un Y aussi, en plus. On est son trépied. Il y avait la caméra, là, il y avait la Y-Light, là, le PC était ouvert. Là, il y avait la caméra. Ah, le téléphone. Vous avez la dinguerie, parce que là, oui, c'était plaisant d'ouvrir tout ça, vraiment. Mais là, il y a les backstage, c'est-à-dire qu'il va y avoir tout le rangement. Bon, là, il y a un petit bordel, mais ça va. Là, vous avez tout le tas. De communes, etc. Là, vous avez les cartes code. Vraiment, il y en a. Un bon tas. Hein. Là, vous avez le tas de boosters de tout ce qu'on vient d'ouvrir. Voilà, avec tous les goodies de l'ETB, etc. Il y a les cartes code des ETB là. Il y a quelques communes là. Il y a une Florizarre radieux. Voilà, il y a l'ETB Antoine et surtout, on va s'ouvrir dans la chaise. Bam. Oh là là. Oh là. Regardez, il y en a encore en dessous, hein, ça s'arrête jamais. Voilà, donc ça déborde. Ça va même jusqu'à Antoine, regardez le raz-de-marée. Bon, les ETB, c'est le seul truc qu'on garde. Les packs, on les garde pas, mais voilà. Bon. Il y en a qui s'est perdu en route. C'est time, tout rangé. On sort d'une ouverture éprouvante. J'en tape mon trépied tellement ce qui s'est passé. C'est indécent. Mais on va pas vous expliquer tout de suite. Non, ouais. On vous garde la surprise, on va vous expliquer au moment d'ouvrir mon ETB. Oh, pas un ETB. C'est pas la dernière, j'ai acheté 14 ETB. C'est faux. On va ouvrir ça. Je mets ça où pour pouvoir m'asseoir de temps en temps.
Je voulais le faire. Ah bah oui, c'est bien ça. Alors ce pack-là, il est sorti très récemment, après Zenith Suprême. C'est pour faire la promo des nouvelles collections Violet et Écarlate. Parce qu'il y a une nouvelle carte. Bon, il y a aucun booster Violet et Écarlate. Mais on a une ex et une nouvelle holographique avec le bord argenté qu'on demandait depuis 8 ans, hein, Pokémon Company. Bien, c'est que je crois que sur le côté, on voit Antoine partir. Ça commence bien. Ça fait même pas 5 minutes qu'on tourne. Mes packs. Mais c'est pas grave. C'est une petite mise en bouche, hein, c'est que mise en bouche, c'est 4 boosters. Oh, j'ai bien fait d'acheter le tripack en fait, parce que là-bas je voulais acheter ça dans le tripack, il y a une dinguerie. Théma, comment c'est magnifique. Hein. Sublime. Puis en plus, la regarde dans la caméra, elle est ouais, elle est encore plus belle sur la caméra qu'en vrai. On commence avec donc nos nouvelles holographiques. Enfin, depuis le temps qu'on les demandait. Regardez comme attend. Ça rend bien. Mais c'est surtout que maintenant, on sait si on a une holographie ou pas. Comme et ça rend mieux. Bien. Et au moins, c'est magnifique. Il tombe. En plus, elle est bien cadrée. J'espère que le bloc écarlate et violet, ça va commencer avec un bon cadrage. Parce que moi, il y a plusieurs cartes. Elles sont mal cadrées. Ouais. Oh, ça finira par arriver. Ouais, bah oui. Regardez le retour. Comme on est contents, nous, parce qu'il y en a peut-être vous qui ont commencé la collection Pokémon avec au moment où les V, la hype a repris. Les... Oui, et puis c'était les V. Donc les vous v, n'avez les peut-être v Max, pas vous n'avez connu, pas connu ce les que X. C'était que les cartes et les X. X. Et les niveaux X. Tu te souviens ? Ça date. Ça date, les niveaux voilà. X. Voilà, la petite Minky X. Oh ! Made in Europe. Ah, cool. Bonsoir. J'ai acheté les trois. Hein. Vous en doutez que j'ai acheté les trois. Moi j'ai eu lui. De quoi faire. La lézard. Elle est bien. Non, elle est. C'est bon. Non, elle est bien cadrée. La lézard du solo. Je sais même pas si la mienne est bien cadrée en vrai. On en parle. La lézard du solo. C'est bon. On en parle de la beauté des boostés. Voilà, l'holographisme se voit pas très bien parce que c'est le fameux holographisme avec les petites bulles qu'on a que sur les cartes promo malheureusement. Voilà. Heureusement que ce n'est plus démonétisé. De toute façon, est-ce que j'ai déjà une fois pu monétiser mes vidéos? Non. Non mais. Voilà, donc très beau pins. On vous rappelle que depuis les Argus est remonté dans l'estime de beaucoup de monde parce que depuis il y a eu Palmaval. Oui bah y a plus besoin de censurer. Ah oui, bah j'aurais pu. Regardez, il est dans un stade de foot. Hein, Messi à Coupe du Monde, enculé. Alors, donc du coup, la carte elle est mal cadrée. C'est pas grave. Et vu qu'il sait pas cadrer ses tirs, et ben voilà. Oh là, oh là, oh là. Et... Le gars il a 7 ballons d'or, calme-toi. Ah, oh, c'est bon, on me voit. Pire au but. Le pins. On s'en souvient de cette ouverture, hein, putain. Il y a un Evoli radieux. Et la carte promo, Gorythmique. Il y a un Palkia et un Dialga. Honnêtement, ces 3 cartes promo ont été très bien réussies. Très cool. Le premier gros pack. Là on est sur. Va pas tomber. Le pack Zenith Suprême. Vous voyez ce carton? Vous voyez plus, tour de magie. J'ai dit qu'il n'y aurait plus sur la chaîne. Non, mais tu vas passer à. Très belle petite carte Régie Drago. Moi je suis. Toujours, j'ai besoin de meilleure qualité. Voilà la Régie Eliki Jumbo. Wow, le cadrage! Elle est comment? Théma là et là. Oh là! C'est cadré comme de la merde. Théma! Les bords. Oh, excellent. Ensuite, le pack qu'Antoine n'a pas, donc là ça va l'intéresser parce que je vais voir un truc qu'il a pas. Si, bah enfin, je l'ai. Enfin, non. Je l'ai. Et je vais faire des têtes bizarres. Ah, ça va où? La jumbo, sur laquelle on va pas beaucoup s'attarder parce qu'on va regarder celle en petit format. Là, mais elle est pas de radiole, elle est juste. Théma, mal cadré. Le cadrage. Et comment le cadrage? Fils de pute. Voilà, oh, Théma, le cadrage. Ouais, comment le c'est mal cadré. Ouais. Et bon, la carte est sympa, elle est marrante. La carte est très sympa. Elle est vraiment très cool, je trouve. Et surtout, même si elle est mal cadrée, ça se voit d'ici. Là, je te l'ai dit. Hein. La Pikachu. La fameuse. Qu'on attendait depuis longtemps. Pikachu, elle est foulard, la... C'est la carte du Korokoro, qui est un magazine au Japon. C'était une carte promo du Korokoro. C'est pas la Pikachu VMAX de voltage éclatant. Pikachu patate. Elle est pour. Elle est. Pikachu patate, comme on aime bien l'appeler. Elle est. Bien sûr, la Jumbo est foulard. Vous avez rien dans le cadre, en plus c'est affreux, mais il y a trop de boosters. Mais... Donc la carte promo qu'on va montrer après. Et mais j'ai l'impression que t'as dit. Les petits séparateurs bleu et rouge. Et le logo. Les sleeves. Elle est cadrée. Regardez, comme un cul. C'est la carte promo
de l'ETB Zenith Suprême, donc la Lucario V-Star. Bon, il est mal cadré, hein, vous le voyez, par rapport à la gauche et à la droite. Mais la carte est quand même magnifique, hein. Franchement, elle est très belle. T'es long de tout préouvrir, mais on est de retour. Énergie plante. Je sais pas pourquoi, je préfère les ouvertures quand je suis en observateur comme ça. Ami Galar. Je sais pas pourquoi. Dimoré. On passe vite parce que le plus important, les gars, c'est Zenith Suprême. Ah bah oui, bah très clairement. Caraclé. Puis bon, c'est pas comme si avec ça et sur le papier. Gringolem. Encore la Rivers, c'est après. Ça commence bien, on se trompe déjà dans les Rivers. C'est pour Zenith Suprême, c'est ici. Y a-t-il quelque chose en reverse, quelque chose? Non, peut-être une holo. Oh oui, peut-être une petite castorno holographique pour ça fait, commencer. Ça fait plaisir. C'est vraiment pas mauvais. Alors, énergie Psy. Psy. Allez, on s'est spoil. Ah, c'est noir. Cranidos, ça c'est le cadre. Oh, oh carrage. Koshino, je crois que c'est tout le booster. Oh bah alors la vie. Alors, Sika, comme Pierre. Sika. Métienne. C'est la gosse là-bas qui gueule. Oula, ah oui, il y a une gosse là-bas. Enfin, sors le pompe. Non, c'est... J'espère qu'il pompe aussi bien que votre fille. Drive. Bam. Similar. Ça, c'est une référence à ceux qui connaissent le TikTok, ils ont compris. Hein. Oh, ça aurait été bien d'avoir okay, une. Ok, Mass Ball de Isui, parce qu'il y a la Mass Ball normale et la Mass Ball de Isui. Oh. Oh. Alors, c'est alors, une. Ça, c'est bien. Alors, ça, c'est une très belle fée. Alors ça c'est très bien. Alors, ça, c'est très bien. Alors, ça, on espère avoir aussi la Darkrai V-Star Alternate de Astro Radio du coup. Enfin de Astro Radio de Zenith Suprême. Bah, moi aussi j'aurais bien aimé la voir. Voilà. Oh, la Darkrai est sublime. On va se refaire spoiler. Oh non, c'est le cadré. Imagine c'est une Alternate. Draco, oh, ce serait drôle dis donc. Ou une Gold. Donphan. Et Molga. Et Oko. La Poreille, Soporifique, bah, tout de suite Mingal. Là, maintenant. Non, c'est une simple holo. Une simple river, très pardon. Reverse, Fauna. Et attention, oh, c'est une simple V. Simple V. Bam. Oh, oh putain. J'ai eu la foulard. Oh là 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 là, elle est très belle. Véchiram en V. C'est bon, il est pas parti en veille. Elle est très belle. Pour une V, elle est très belle. Et le cadrage, ça va. Ouais. Elle est belle. C'est une très belle V. C'est une très belle V. Passe à Zenith Suprême, les gars. Ça y est, enfin. Énergie. Attends, on a eu de la chance avec le mien de Tentacle. Ortide. En soi. Hyper Ball. Ouais, je sais plus ce qu'on avait eu. Bah. Chamiral, Issui et. Pyroni. Non, c'était Pac. Ah, bah alors je sais plus ce qu'on a eu effectivement. Mastouf. Ah oui, Mastouf. Willemir. Pokéball. Alors c'est là la reverse. Willemir. Ça commence des. On a une GG 28 sur 70. Oh là, Alors là, ça doit te plaire. Alors là, ça doit ça, te c'est plaire. C'est beau. Et, ah bah, c'est une tête au nolo. Ça, c'est beau. Ah, oh, c'est... Oh, ça, c'est beau. Ça, c'est très beau. Faiza, elle a pas sa carte signée. Hein, mais Donna, elle est non. Très bien quand même. Ouais, Faiza, oh putain. C'était sa waifu. Non, clairement pas. Skillinox. Alors, c'est qui? Shaki. Ah oui, c'est bien, tu crois. Nanami de Danganronpa 2. Meilleur perso tout univers confondu, il n'y a pas de débat ouvert, je suis pas ouvert au débat. Avant c'était William Afton, hein, mais un tueur de flanc, j'ai préféré changer quoi. Bah, c'est un tueur d'enfants, il a enfermé les enfants dans très, des très belle GG. Ouais, et puis. Et puis bon bah. La Donna. Signé. Je peux te prendre ça? Ouais, merci. Bon bah, bien évidemment, vous doutez que c'est pas le personnage qui a signé parce que là c'est un personnage fictif. Mais c'est la signature qu'elle a sur sa carte de ligue dans Épée et Bouclier, il me semble. Énergie Feu. J'ai failli lâcher son blaze, il en a eu un. Terraclope. Qui commence par un A. Non, il commence par un J. Ah. C'est qui commence par un A? Métang, échange d'énergie. Non, ton pote. Ah oui. Ah oui, pardon. Kalikid qui a eu la Pikachu Secret. Oui. Mais alors, Écrapin, ça tout à l'heure, on a eu une dinguerie. Hein. On a une dinguerie en ayant Écrapin. Bah, deux dingueries même. C'est laquelle? Ah oui, bah c'est booster d'avant, je suis con. Un sécateur. Riolou. Je pourrais. Oh bon. Ah. Oh, c'est la Drac. Oh bah tiens. Oh bah tiens. Là, c'est la Drac. Ah, c'est la Drac. Ah la Drac ouais, Drac au feu radieuse. Et t'as un truc après. Non. Eh bah voilà, t'as la Drac. Antoine l'a vu, c'est pour ça qu'on a reconnu direct. Bah voilà, c'est ça que j'ai eu dans le tripack. Ah,
Elle est cadrée, comme de la teub par contre, regardez. Moi je sais même pas si elle était bien cadrée, t'es bien cadrée ou pas? Ouais. Ok, bah très elle est bien cadrée la mienne. Donc voilà, très bien cadré. Bon, je ne vais pas vous redire ce que je pense de Dracaufeu, vous le savez. Il est beaucoup trop mis en avant. Je suis désolé, énergie de ténèbres. Ah non, c'est Skullinox. Chemin. Ami de l'issuie. Ami de l'issuie. Je le connais pas, je suis jamais allé. Vortante. Otario. Otario, comme Antoine a dit tout à l'heure. Otario. Oh là, il va en plus. Potion. Galekid. Galekid. Et crapin, putain. Et crapin. Pince, recherche d'énergie. Je crois que j'ai été spoilé. Oh le cadrage. Oh, oh putain. Retourne. Oh ah bah. Oh putain, bah, putain. Je savais même pas qu'elle en avait. Ah bah tu vois, je suis content pour toi là. Noix de coco. Bon alors je c'est Reverse, c'est pas Lolo. C'est marrant. Je savais même pas qu'elle se dédie pour Reverse ces cartes là. Bah. Pulco c'est trop marrant. Ah ça va chier. Allez, énergie électrique. Vortante. Vortante. Comment on est assassiné. Girafarig et pas Ring. Oui bah. Échange. Échange d'énergie. Clotor, Smogo, Tritox, Chakripan. La river c'est là. Larvibule. C'est un simple holo. Non, Rivers. Ouais, Rivers, pardon. Metang et. Oh, elle est belle. Métamorph. Holo. En holographique. Elle est belle. Les Pokémon V, Pokémon GX. Je sais même pas qu'il parlait encore des GX. Oh lol, c'est trop drôle ça, putain, des barres! Voilà, énergie électrique, on va couper son nageur, je pense. Échange d'énergie, c'est mieux pour vous, chaussures de randonnée. C'est les rocs et pas c'est les nocs. Mais c'est écrit, j'arrive même pas à lire quand je suis dyslexique. Recherche d'énergie, larvibule, et pourtant il porte des lunettes. Hein. Volalgue, ouais. Mouton. Mouton, est très marrant cette carte, franchement. Ouais. Oh! Ouais, c'est quoi? C'est une Trader Full Art parce qu'il n'y a pas de bord de VV Max ou V Star. Hein. Oh là. Oh tcho 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 tcho. Oh là là là. Bah les couilles, on va ça. Oh là. Je vais. Oh tcho tcho tcho. C'est bon. Oh ça c'est de la grosse carte ça. C'est encore plus gros que les miennes. Ouais. Bah d'un mais c'est une Trigger Full Art quoi gros. Le cadrage. Pas fifou mais ça va. Pire au but, tout porte bonheur. On a, j'ai à le rappeler. On a vu mieux comme cadrage, mais on a vu pire aussi. Alors, est-ce que vous reconnaissez les personnages, les gens? Moi, je les ai pas tous, mais lui, je sais que c'est l'un des deux contrôleurs SNCF, là, dans Noir et Blanc. Tu sais, Chamal et Chamsin, là. Ah oui. Chamal et Chamsin, ouais, vraiment. Les noms, ils ont pas fait d'efforts. Oui, quand même eu des dingues. Donc, marqueur Vestar. Hyperball. Midi suivi, bon, c'est bon, les Midi suivi, bah... Lol, ouais, ça s'est fait. Aspirateur perdu, nul à chier la carte. Suribou. Un aspiro. Oh, Suribou, j'ai bien tourmi. Et tourmi. Échange. Encore échange à nouveau. De neuf. Neuf. Love 10. Oula. Donc, GG. G 06 sur GG 70. Oula. Elle est sublime, c'est la Manaphy. Oh là 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 là. Oui. Ah t'as reconnu. Alors là. Et après. J'ai reconnu à ça. Oh Vestar. Alors il y a Dracaufeu. J'aimerais bien en avoir une qui n'est pas encore sortie. C'est-à-dire par exemple la Régigigas. Qui est nouvelle. C'est Drac. Non c'est pas Drac. Garde Vestar. Non c'est pas Dracaufeu. C'est pas Dracaufeu. C'est Régie. Et bah la voilà. Ah bah la voilà. La Régigigas Vestar. Il fallait demander. Oh j'ai spoil. De quoi? Moi j'avais littéralement dit je veux la Régie Gaspard. Ah oui, oui. J'ai spoil de ouf. Alors on fait la moins bien, même si elle est très bien aussi. Putain, comme par hasard, moi j'ai eu la Dracaufeu Triso. La Dracaufeu Triso. Régie Gaspard Vestar. Bon, je m'assois pour Roman. Très très belle Vestar. Et au niveau du cadrage, c'est très très bon. Bon, pire but porte chance, effectivement. Bon, bah désolé, Métamorph. Mais il n'y a même plus de place. Et bien évidemment, la Manaphy qui est cadrée comme un cul. Le cul, c'est pas censé être bien cadré, sauf dans les. Oh là, ça qui est bien. Il a failli dire une connerie. Oui, j'ai failli dire une bêtise. Sublime en tout cas cette Manaphy. Au montage, c'est moi qui me suis coupé tout ça. Cette Manaphy AR. AR, ça veut dire art rare. Allez. Grosse pute. On va sortir les sleeves goldés de Zenith Suprême. Énergie O et Luxio, ça fait Claude François. Chaussure de randonnée. Pas sûr de celle-là. Chaussure de randonnée. Chemine. Larvibule, je suis humoriste. Voilà, ça me dédouane. J'ai même pas vu. Vénalgue. Vénalgue. Mouton.
Galvaron, on commence déjà à avoir des quadruples, c'est super. Ouais. Non, c'est après la reverse. Pan d'espiègle, simple reverse. Simple reverse, oui, et ah bah il y a quelque chose, parce qu'on l'a vu, V. Simple V. Pikachu. Ah, c'est Raora. Non regarde là, c'est ça. Ouais, c'est Raora. Je l'ai V. Plus ou moins déjà, faut que je vois si c'est. Mais en soi, c'est Zenith Suprême, donc c'est nouveau. Non, c'est pas la même. C'est pas la même. Il est pas dans la même position. Ok. Bon, c'est une nouvelle carte du coup. Antoine ne repartira pas avec. Même si en soi. Zeraora. Bon, le cadrage, c'est pas fifou fifou, hein. En soi, Thomas, il repart déjà avec. Mais c'est déjà ça. Argi combat. Ortide. Ortide. Ça crache. Hyperbole. Attends. Je vais prendre Walmer pour la mettre dans les cœurs et après je prendrai tout. 9-9. Attends, j'arrive. Récupération d'énergie. Moi, je vais voir ce qui se passe là. Pyronie. Ah, j'ai pied. Je vous refais un focus vite fait, même si c'était déjà très bien. La reverse. On a beaucoup de Willamere. C'est pas la reverse, Pokéball. Là c'est la reverse. Bah là GG. GG, 0-2 sur 70. Ah c'est la mine non. Ah non. C'est qui avait des étoiles. Oula, quel déo. Bah ça serait bien quel déo ouais. Non. Non. Mélocrique. J'avais complètement oublié celle-là. Et attends. Ah non bah. Oh c'est rude ouais. Après c'est une simple holo. Bon je prends les cartes. On là. Va foutre avec Bon, t'as officiellement le paquet de cartes que j'avais. Hein. J'arrive, hein, les gars. Je suis en train de. Ouais. Donc, ça va encore grimper. Hein. Donc, Mélocric, Trainer Galerie, pas du tout. Art rare, GG. Good game. Cadrage plutôt bon. Il y a un tout petit défaut, mais vraiment, si on s'y connaît pas, on ne voit quasiment pas. Félicitations d'avoir joué, comme dans Dementium. Bah, la testa, réveille-toi, boum boum. Oh. T'as la blague. Oh la vanne, ça fait beaucoup de zéro. Énergie plante. Bon, il y a de la place pour deux ultra rares, c'est attrape tout. Attrape Pokémon. Malamandre, 3, 4 mètres. Oui, mais en termes de sleeve. Ah oui. Ah non, non, il y en a plus. Ah oui, non, bah en fait, on peut en avoir encore. Krixig, Galekil et Riolu. J'ai mal au talon. Et ton mime, moi aussi, hein, t'inquiète pas. Non, mais ça me brûle. Depuis tout à l'heure. Un C4... Oh, GG05 sur GG70. Eh bah, c'est la. Non, c'est pas. Oh la merde! Low class! Je déconne. Low class. Pas très belle, hein. Et derrière. Et ça va... Oh, ah bah, eh bah, Antoine, il a. Antoine, il a gagné une carte, c'est ça qui est bien. Et Thomas, il a tiré à la bol loterie. On sait pas encore. Mais tu repars avec du lourd. On l'a mis ici, du coup. Et on va s'intéresser, du coup. Ah, la carte qui nous intéresse parce que celle-là c'est pas une double. J'ai mal au pied. La Loclass GG, du coup. Très très belle, très très marrante en plus. Et elle est bien cadrée, franchement. Et ça c'est cool. Toi t'as beaucoup de chance sur les GG. Hein. Ouais, t'as vu ça Énergie ténèbre, Gravalan. Ah bon, s'il y a vraiment une V-Star à servir. Super bon, c'est flippant. Luxio. Bon mouton. Mouton, parce que moi c'était juste pour la blague. Ouais, parce que moi je. Galvaran. Bah, enfin, pour la plage aussi. Pandespiègle. Je... Pour la blague aussi, je l'avais. Échange, ouais, pas la plage. C'était le gamin. C'était les gamins. Oh, GG, mais putain, ça va les GG. 0,9 sur 70. C'est. En tout cas, elle est très belle. Il s'appelle. L'évolution de Toxizap, ça l'arsène. Et ben voilà, c'est ça. Voilà. Et oh l'énergie reverse. Ouais, il y a le logo. C'est une ultra rare. Parce que c'est une énergie full art. Garde. Ouais, puis. Vous voyez peut-être pas la caméra, mais en gros, il y a des énergies feu. Si, mets-le plus comme ça. Ouais, voilà, là, vous là, voyez, on voit les tracés de l'énergie feu. C'est des énergies secrètes. Elles sont appelées secrètes, ces énergies-là. Ouais, mais elles sont pas 190 sur 191. Mais elles sont très belles. Enfin, 191 sur 190. Et c'est différent des simples énergies reverse. Elle est où la putain de Pikachu, là? Bon, la Salarsen est. Pas super bien cadré, mais ça va, c'est presque invisible. Oh, t'as vu? Il y a un ZZ là où il y a ta souris. Ouais, ouais, ça je sais. C'est un petit easter egg du fond d'écran. Et bien évidemment, l'énergie feu, bah là c'est l'énergie secrète, et surtout l'énergie full art, donc on protège. Allez, l'énergie feu. Les guettes, la marque en. L'Ampérois, aspirateur perdu. On va pas dire mon Pokémon. Super Ball, Crisic. Je sais plus comment je l'ai appelé. Pijako. Monsieur Ming de Galar, Tournegrin. Que notor, reverse. Bon bah GG. GG ouais. GG 20 sur GG 60. Ok, là tu l'as pas. Latios ou Latias. Latias. Elle est très belle. Et. Oh bah tiens. Oh Tarak. Oh y'a Nabil. Les cartes signatures. Y'a Nabil. Ah ouais, là les problèmes. Ah oui, alors là y'a plus de. Bah. Zenith Suprême hein. J'arrive.
obligé d'ouvrir en live le pack de cibles de l'ETB. Bon, sort tout. Ou sors-en une dizaine. Trop tard. Tout sorti. Tout sorti. C'est vrai, on va pas s'emmerder. Hein. C'est des sleeves goldés, hein, les gars. C'est ouais, super beau. C'est... Franchement, on va être riche. Hein. Alors, est-ce que c'est l'arrière qui est goldé ou c'est le plastique qui est goldé? Bah, ce serait très con. Bah, il serait capable. Hein. Donc, c'est quoi? C'est l'arrière qui est goldé, parfait. Hop, tarac, holographique. Malheureusement, ces sleeves, elles sont mates. C'est dégueulasse. Mais voilà, c'est pour protéger les cartes. Putain, faut pas faire autrement. De s'asseoir parce que j'ai mal au pied. On va te poser là, du coup. Et c'est encore, c'est pas dans le cadre. Hein. On s'en fout, c'est pas grave. Faiza restera et le premier. Et là, la Tias. Oh, c'est point de fusion. De quoi? Bah, c'est écrit point de fusion. Ah oui, sur la Tias, ouais. Ouais. Ouais, des fois, je sors des trucs comme ça. Hein. La je sais même pas d'où ça sort. GG, très 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 belle GG, franchement. Y a pas à dire. On a beau gueuler sur le cadrage. Les illustrations sont toujours belles et d'ailleurs la Tias c'est bien cadré en parlant de cadrage. Tout le monde de vérité. Energy Psy, ouais, complètement. Vous allez comprendre, je vais vous expliquer avant. Scalproa, True Brother, les frères True. Ah, c'est True comme ça. Hyper balle. Si c'était THRUE, c'était vrai. Non, THRUE, c'est pas ça. THRUE, c'est True. Seribou. 9-9. Et on dit Seribou, oui, excusez-moi. Récupération d'énergie. Emolga. Eh bah t'es spoilé. Oh la pute. Oh là. C'est une V alternate. C'est une V alternate. Alors ah, c'est peut-être la Zacian ou la Zamazenta, non? Oh putain. Ah non, c'est la mignonne. Oh bah. Non, c'est la Zacian. Zacian. Et je la voulais absolument. Et tu la voulais. Oh putain. Bon, Antoine yes. L'a eu, mais c'est pas grave, je m'en fous, moi je l'ai. Et après, bon, c'est peut-être une holo. Allez, Golta, ta gueule, allez, ta mère. Je peux la prendre et puis je peux le prendre tout ça. Ouais, alors. Vas-y. Admire. Oh la vache. Ah malheureusement. Et moi, bah moi, c'est marrant, ça se voit pas sur la face. Ouais, mais moi, elle est mal cadrée. Zacian V Sublime de chez Sublime. En plus, tu l'as voulu. Ouais, je suis désolé, mais quelqu'un qui dit que les illustrations de cette série sont moches. Je vais péter sa gueule. Ouais, il est con, hein, c'est bon. On va pas tortiller du cul, il est con. Je mens. T'as pas. Zacian. Sans ma pute. Energy Psy, dernier booster du pack Pikachu. Oh, tiens, bah l'air relou. Ami de Issui. Chemin. Chemin. Oui, écrasant. Yanma. Scalpion. Scalpion. Le meilleur. Walmé. Pokéball. Pokéball. Les crapins. Ouais, Pokéball aussi. Ça attends, passe. attends. GG20 sur GG70. Antoine, il a une double. Let's go. Ah oh, bah tiens, la Tias. Bah je vais repartir avec la Tias, c'est cool. Moumouflon. Moumouflon. Bon bah la Tias, désolé. Et là, on arrive au plus bon, intéressant. Bon, il s'est passé quoi tout à l'heure? Antoine a ouvert son ETB en live. Attends, il a eu le bug. Des gold. C'est tout. Mais c'est... Il n'y a pas à plus épiloguer que ça. Voilà, c'est bon. J'ai pour ceux qui ne savent pas, les ETB Zenith Suprême, certaines ont un bug qui fait que tu peux avoir entre 8 et 10 gold par ETB. Anthony, il en a 9 sur 10 boosters. Théma, le bordel. Voilà, donc il a toutes les gold, il les a toutes en double. Donc en sar, et la Falkia, elle est même en triple. En sar, Thomas, il a toutes les gold d'abord. Et donc là, on se demande si moi aussi. Parce qu'en fait, dis-le. Là, c'est le moment de vérité. Parce qu'en fait, son ETB était plus long que la mienne. Pourquoi. On n'a pas compris pourquoi. Et il y a le même nombre de boosters, il y a le même nombre de... Oui, parce qu'il y a aussi des ETB buggés qui ont plus de boosters et plus de cartes promo. Il n'y avait pas plus de cartes promo, il y avait genre la même... Genre t'as la même carte promo et trois fois. Il y avait la même chose deux, que dans le mien. 4. Donc bon, bah, c'est le moment de vérité. Là, c'est le moment de vérité. Est-ce qu'on a une ETB buggée full gold ou pas? Putain, ça rend pas tout. Énergie, ténèbres. Après, peut-être que les gold sont après. Attrape Pokémon. Oui, aussi, on a peut-être un booster vide là. Parce que là, on a peut-être un... Parce que j'en ai eu un booster vide. True Brother. Putain, j'ai mal au talon. Non, il était pas vide en plus, t'as eu une ah oui, oui, ultra. C'est vrai, j'ai une double ultra. Otaria, t'as eu une GG. Rocabo, j'avais appelé Rockstar, je sais pas pourquoi. Galekid, Rockstar, wesh. Riolu, c'est pas tout de suite lol. Attention. Et Tourmi. Oh là. Ah, c'est une radieuse. Chrysapile radieux. Pouf. Pouf. Et notre noix de coco. Bon, t'as gueule. L'instant. On sait pas si t'as le bug. Ta gueule, noix de coco. On sait pas si t'as le bug. Alors, la petite chrysapile radieuse. C'est très cool comme radieuse en vrai. Énergie O. Oh. Galégon. Galégon, oui, parce qu'à l'époque où on tourne cette vidéo, ça fait 2 jours que le 49.3 est passé sur la réforme des retraites. On est en mars. Oui. Précisément le. Je vois pas d'ici. On est le. 18. Super, 18 mars. Ortide. Ami de Sinnoh. Ami de Sinnoh. Elle existe aussi en full art celle-là. Ah bah tiens. Balbuto. Miaouss.
Yannis de Galar. Il est mignon, lui. Enfin, il est drôle. La récupération d'énergie. Attention au moment de vérité. Luxi. PTDR, c'est après. Pas l'arriveur. Moment de vérité. Pyrodil. Oh putain, bah, c'est encore mieux. Oh là. Oh. Là. Évolution de Scalpion. Drascor en pâte à modeler. Oh là là. Oh, c'est beau. Oh là, Drascor V. Oh, après... c'est beau. Oh bah tiens. La Rayquaza, on n'a jamais eu. Ah bah tiens. Je suis très content de l'avoir celle-là parce que j'avais jamais réussi à l'avoir. Moi aussi, j'aurais bien aimé l'avoir, mais bon, moi j'ai eu les putains de gold en 9 fois. Le pire, c'est que moi je fais un braquage parce que j'ai l'impression de pas avoir une OTB buggée et en plus je repars avec les golds en double. C'est vrai. Après, Antoine a quelques doubles là, il a la Donna par exemple. Ouais. Et la Latias. Et ça, c'est bien la Latias. Plutôt. Toi, tu dois être content pour la Latias en vrai. Ouais. La Donna, c'est juste une holo, mais c'est sympa parce qu'elles sont signées les cartes donc c'est drôle en vrai. Bah oui. Non, Zeraora, ça... Non, on va pas laisser la Drascor, frère. Ah oui, il y avait la Drascor, c'est vrai. Elle est sublime. Alors, je peux refaire la blague, il n'y a plus de place. Ah bah non, du coup, ça marche plus. Bon, regardez-moi ça, comment c'est sublime. L'idée de faire une alternative en pâte à modeler... C'est incroyable. C'est super beau. En tout cas, je la kiffe, cette carte, elle est super belle. Magnifique. Énergie métal. Surtout pour avoir toutes les golds là. Hyper beau. J'ai même pas pu apprécier ces beautés là. Malamandre, ouais. Enfin, même t'as eu la Clamiral et l'Azacien quand même. Oui. Terraclope. On parle pas des clopes. Lol, putain. Un C4. Pokéball. Pokéball. Il sert à rien. Manglouton. Et nul à chier en plus. Céribou. Moment de vérité, neuf, putain. Potion. Là par contre je crois qu'il y a quelque chose. Ah bah oui, une petite V. Oh oh, putain, c'était une VMAX. Très très belle petite VMAX. Vous voyez ça dans mon live? Le cadrage est à chier mais c'est pas grave. On n'a pas pu apprécier ce genre de réaction dans mon live. Sorcilence. J'allais pas ouvrir la sleeve. Sorcilence VMAX. Très belle petite carte aussi. Là, 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 là. Ah la gold. Alors, énergie, bon, bah comme ça, hein, parce que ça va me saouler si. Oh bah, putain. Alors, on arrive, hein, les gars. Tu repars pas, mec. Scalp 3, Gravalanche, Attrape Pokémon, Pyronie, oh, Scalpion, Wellmer, Wellmer, Wellmer. Alors, Pokéball et crap. Oh putain. Pute. Les oh pute. C'est qui? Luminéon. Oh là, oh là. Oh la vache, vache. Alors. On s'en occupe après, toi. Bon bah tu repars. Bah va, j'ai Mastouf en bouffe, en double. Bah t'es aussi, Mastouf. Bon bah tu repars pas avec Mastouf, mais tu repars avec les golds. Bien cadré. S'en fout, c'est une V. Mais moi j'ai pas pu profiter de ça. Des V alternate. Parce que du coup, moi je me suis tapé. Bon après, les golds, hein, c'est déjà pas mal, hein, mais bon. Je vais me racheter une OTB, tiens. Mais par contre, on en parle du fait que j'ai une OTB goldée, c'est peut-être pour ça qu'elle était lourde. Quoi? Bah mec, le TB, t'as vu la dernière compte depuis le début, c'est ah pour oui, ça qu'elle était lourde. Ah oui, c'est pour ça. Parce qu'il y a des putains de cartes dedans en fait. Bah, et moi alors. Alors. 9 gold. Cadrage. Paf. Ah si, il est bien. Mais tu vois, j'ai une gold, mais j'ai pas eu la réaction que je voulais. Même nous, on n'a pas profité des gold en fait. Ah c'est, ouais, triste, du coup, c'est triste, mais hein. Parce qu'en fait, on savait dès le premier booster, que logiquement j'allais avoir les 4. Parce que la probabilité que t'aies une seule gold dans le TB et qu'elle film. Tombe au premier booster, c'est infime. Déjà que la chance d'avoir une gold dans une TB toute seule, c'est chaud. Énergie assez, vous aurez jamais la. Ou alors dans une vidéo, une autre random. Ça peut être drôle. Oui. B-point. Voilà, Mandre. L'anecdote s'appellera B-point. Ouais. Enfin, moi, j'ai on a le. Ah, il fait beau. Rocabo. C'est rare dans le Nord, hein. C'est pour ça qu'on s'extasie. Surtout qu'il a fait, moche toute la journée. Chakripan, Love Disc, Pijako... Yanma. Oh putain. Oh la vanne, c'est une V-Star Alternate. Ouais, ouais. Ouf. Alors attention, parce que là, à tout moment... Lindanri. Oh là, c'est... Zorak de ici. Quoi? Non. On va se s'en aller. Bonne journée, à vous, au revoir. Wow. Ça va ou sinon? Et puis vieille open-up. Allez, boule de nœud, voilà, si vous voulez, ta gueule.
l'une des plus belles. La chatte. V-Star Alternate de la collection. La chatte. Goldée. Pourtant, c'est pas une gold. Mais elle est goldée, bon, mec, elle est pratiquement une gold. Ouais. T'aimes à moi ça. Bon, les gars, je suis dégoûté parce que moi, je suis passé à côté de ça. V-Star Alternate, c'est sublime. Je suis passé à côté de ça. Moi, à côté de ça, j'ai eu les gold. Et pour ceux qui ont envie, on vous montrera les gold en détail sur YouTube parce que vous, du coup, vous, si vous suivez pas Antoine, vous les avez pas vus. D'ailleurs, allez vous abonner au TikTok d'Antoine, le lien en description. La souris. La souris. Je suis le gérant, le souris, moi. Voilà, donc il y aura le lien du TikTok d'Antoine en description pour ceux qui sont intéressés. Du coup, un peu de pub, ça fait jamais de mal. Yep. Ah ouais, bah moi aussi. Parce que vu comment c'est parti. Je la veux. Et à tout moment, là, je me dis qu'il va la voir et moi, je passe à côté de ça parce que j'ai eu des putains de gold. Mixi. Et si on l'a en double, Antoine hurle. Ah oui, bah. C'est crapin. C'est dur à avoir. Alors, en plus de ça, si on l'a en double. Bah, c'est une TB buggée dans un sens. Oula. Otaria et pas Otario, bah s'il y a deux secrets ce serait bizarre. Oui. Hein. Oui parce que quand même faut pas abuser non plus à chaque fois. Il sert à rien. Donc, le tour... Oh bah la petite tape sol. On l'a eu, enfin Antoine l'a eu. Et ben... Énergie feu. Métang. Métang. Chemin. Chémine. Chémine de issue, j'ai même pas voulu continuer la blague. Manglouton. Manglouton. Putain, on l'a eu tellement de beaucoup de fois. Suribou, 9-9, les communes, c'est. Enfin on l'a eu en quintuple. Molga. Récupération d'énergie, Molga. Non, que Notor. Et. Oui, parce que Mewtwo. La secrète elle est en dernière du coup. Mewtwo. Elle est très belle. Mewtwo. T'inquiète pas, c'est l'avant-dernier booster. Vortante. Valise de secours. Galégon, qu'on vient d'avoir en Reverse. Je peux pas poser mon temps, mon talent. Love Disc, bon, moi aussi j'ai mal, mais on ouvre. Pijakoyana, enfin moi je suis en train de voir. Scalpion. Rikazik. Celle d'Antoine. Ouais. La Guérilande en GG. Oh bah tiens! On a eu les boosters Antoine, c'était bien. C'est vrai, on a eu un booster. La petite file à l'IV. C'est bien cadré. La petite file à l'IV, reprint d'évolution céleste. Dernier booster! C'est incroyable. Je peux même pas faire de. Je vais même pas pouvoir faire de best-of à la fin de l'année de cette ouverture parce que tous les boosters, il y avait un truc. Oui, bah oui, bah là. J'ai mis autant d'ultra rares sur mon bureau. C'est la première fois. Et la Guirlande. GG, qui est aussi très bien cadré. C'est la GG. 11 sur après, 70. Fallait s'en douter, un Zélite suprême. Dernier booster, The Last One. Oh, avec une énergie plante. Métangue. Métangue, il me pète les couilles, ça fait 4 boosters d'affilée qu'on l'a. Échange d'énergie. Échange d'énergie. Escroco. Escroco. Pour des spiegles. Pour des spiegles, je speed parce qu'on en peut plus, hein, vraiment. Stalgama. Mais bon, là, c'est bon, c'est les mêmes communes depuis. Stalgama, Rocabo, sac de nœuds. Balbuto. Oh putain, c'est pas fini. Une V-Star. Alternate. Oh, c'est pas fini. Oh là. Oh, c'est gros. Qu'est-ce que ça peut être? Le type Darkrai. Putain de merde. Oh là. Oh là. Oh la gueule de con. Alors, on va d'abord s'attarder sur la moins bien. Flamme Moutant, c'est pour ça qu'elle était lourde dans la télé. Et j'ai tellement envie de voir, quand on ouvre les cartes, et de le voir dire oh la gueule de con. Flamme Moutant, Vestar, on s'en bat un petit peu les couilles. Ce qui nous intéresse, c'est. Parce que à côté, on a. Et tu vas pouvoir les dégager parce que c'est la dernière place qui nous reste. Cadré. C'est pas fifou, mais c'est pas grave, c'est pas si mauvais, il y a eu pire. Oh la vache. On est à 50 minutes d'ouverture. Hein. Darkrai V-Star. Juste sublime. Non, parce que là, il y a le rendement après. Bon. T'inquiète, ça c'est après, pour les backstage. Donc, qu'est-ce qui vient de se passer? Parce que... Mais indécent. Et encore. Alors. Il y a des torts. C'est ça le pire. Et je rappelle que ça et la Darkrai en dessous, c'est même pas du Zenith Suprême. Hein. Oh bon les gars, on est après la dinguerie qui vient de se produire. Antoine est en train de télécharger son live qui durait 1h08. Et vous voyez qu'on a été à l'heure, hein, 15h03. C'est juste qu'il y a un petit problème. Il fallait qu'il demande l'autorisation à papa et maman. Parce que c'est comme ça que c'était présenté. Pour passer en live. En gros, il devait demander à TikTok. Bon, ça suffit. Sinon, il pouvait faire qu'un live en 7 jours. Là, on est en train de transférer les facecam. Là, qui viennent de la caméra quand on a rangé. Là, il y a toutes les dingueries. Encore, il y a des tas. Hein, je vous rappelle. Y a des tas.
des temps et du temps. Là-bas, c'est un petit peu le bordel sur le lit. Là-bas, il y a la pile de cartes tour de pise. Et là, vous avez la merde. Là, c'est le plastique à gogo. Là. C'est tout le plastique de Pokémon Company. Une prise de son manteau. Bref, c'est voilà. C'est le bordel. Regardez la zone de guerre. C'est la 867e ouverture Pokémon de la chaîne, bienvenue. Ah, putain, comment j'arrive, moi, regarde, je suis en overboard. Sulfuraz, une suprême. Eh ben, elle est aussi pliée que la mienne. Elle est un peu bombée. T'es mal au TB comme elle est belle. Probablement l'une des plus belles ETB sortie récemment. Ça, je l'ai. Alors ça, petite nouveauté, très sympa, je trouve, c'est très beau. On s'y attendait pas. Hein. C'est des petites piécettes, des... Le petit dé. Focus. Ex, live. Voilà, maintenant les filles, elles sont toutes goldées. Ça prouve qu'il y a de la moula. Et bien évidemment, le Miraidon. La carte promo Miraidon. Incroyable. Donc je repasse. Et bien évidemment, les Energax, style noir et blanc, c'est les anciennes énergies, c'était le même style à l'époque. Et bien évidemment, ça c'est magnifique quand même. Les putains de séparateurs. Ça c'est magnifique. Ils sont franchement. Incroyable. On en parle. Miraidon AR. Eh, c'est bien là si on a une dague, on peut partir. Promo sublime. Elle est cadrée comme un cul, mais c'est pas grave. Évidemment, la Sulfura est mal cadrée aussi, sinon c'est pas drôle. Tant qu'à faire. Sulfura promo Zenith Suprême qui était disponible au Japon dans la série directement. Que j'avais trouvé sublime et que je voulais absolument avoir. Et bien, c'est chose faite. C'est une carte promotionnelle. Valide. Allez, c'est parti. Énergie ténèbre. Escroco. Escroco, un Pokémon ténèbre, justement. Luxio. Ami de Isui. Galekid. Galekid. Riolu. Ça me fait toujours penser à un biscuit, ce machin. Et Tourmi. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à ça. Un sécateur. Pokéball. Tu es Hyperball, Pokéball. Ah bah tiens, en parlant de. Oh bah c'est. Oh bah ça serait pas. Une petite AR. Ah mais ça serait pas. Ah non. Que Notor. Je pensais que c'était la mienne que j'avais eu la dernière GG, fois. Petite GG, très sympa. Wailord. Et oh, putain. Et Wailord. Alors, là, c'est que Notor. Tu sais que je croyais que c'était la mienne, là. Dans les temps, là. Comment elle s'appelle. Larvibule. Voilà. Je croyais que c'était Larvibule. Notor AR. Très, très... Enfin, GG. Oui, GG. Ouais, c'est... Éclaté violet, les AR. Très belle petite GG, franchement. Voilà, on a eu les TG. On a eu les G. RJO. Bon, j'espère qu'il y aura quand même une dinguerie, hein. Scalproie. Parce qu'il en a prédit deux, il commence déjà à paniquer. Bah oui, parce que... C'est les rocs. Valise de secours. Il panique. Scalpion pour autre chose cette fois-ci. Otaria. Rokabo. Galekid. Riolu. Riolu. Biscuit. Oh, oh. Une petite énergie. Surprenant. Je sais ce que j'allais dire, qu'est-ce que le rôle là est. Energy Reverse. Et Padolo. Bien méga. Oh, tu repars avec Energy Reverse, c'est quand même assez rare. T'en as pas déjà une. Pour être protégé du coup. Si, je crois que c'est Energy Feu. Je suis pas sûr du tout de ce que je dis. Ouais, il n'y a pas eu. Oh, le DC. Voilà. Énergie verte. Et puis dommage dans les. Et dommage dans les. Énergie de base, parce que peut-être il y a des énergies premium. Je dis de la merde. Énergie ténèbre, en vrai, j'en sais rien. Oh, Pomme, qu'on s'est fait spoil. Tissamboule et pas Tissenboule. Sinon, ça fait bizarre. Alors, voilà le gâteau. Riolu, bah tiens, il est de retour. Magnéton, ça fait très bizarre hein, le style gris quand même, ouais, de rien. On est habitué au jaune qu'on vient d'ouvrir juste avant. Fortress, casque brut. Casque brut, Dodrio, celle-là elle est pas reverse. Et Tourvol reverse, c'est les nouvelles reverse du coup. Temae. Temae, Temae la taille du rat. Regardez à quel point. Là c'est Temae la taille de l'oiseau. Les nouvelles reverse du coup. Sublime, franchement. Vas-y, il y a une AR déjà. Bah, eh bah non, en plus coiffe-t-on. Oh, merde. Et en dernier. Oh là. Oh là. Oh là, c'est une ex. Oh, oh c'est Tisson. C'est quoi l'alternative que t'as vu. Tisson garde. Ouais, Tisson garde, un truc dans le genre. Bon, un truc avec Tiss. Oh là, comme il est cadré. Philanthrope, on s'est foiré. Bah, c'est elle, non. Ah bah non. Bah non, on a dit Tisson garde. Philanthrope. On a dit Tisson garde, comme des enculés. Antoine a eu la ex-alternative. Oui. J'ai déjà une brune. Oh là, oh là, oh là là. Oh, Philanthrope ex. Oh là, la dinguerie, la faille sortir. Très très mal cadré, mais c'est pas grave. C'est quand même parce que une j'ai ex. Eu Branette. Ouais.
ça chie, il commence à chialer. Hein. Elle RJO, mal, hein. Ah bah mon starter. Ah, donc c'est Chouchoudil. Chouchoudil. Tropius, qui a toujours pas de rare. Dans la prochaine collection, il a enfin une AR. Ah, enfin. Tropius, enfin, putain, il est là chaque collection, bon, il a rien. Dans le... Pokéball. Pourquoi Tropius en plus, je sais pas ce qu'il a ce Pokémon, mais bref. Il est gros, enfin, il est grand. L'énergie, très très drôle cette carte, franchement, ouais. J'aime beaucoup. L'euphorie, c'est l'euphorie ici. Patrick Sébastien, putain, Nigirigon. Là-dessus, Nigirigon. Charthor, Reverse, magnifique, ouais. Reverse encore une ouais, fois. Pourquoi les tiennes brillent mieux que les miennes? Parce que tu t'es fait chier dessus pour Pokémon Compagnie. Comme d'hab, pour des piques. C'est depuis que t'as insulté Pickwick. Anecdote à raconter, ça aussi en vidéo, anecdote. Ah non. Vombrator. Non, Vombrator. Vombrator. Vrombotor holographique, bien évidemment. Oh, je chie sur ce que bon, j'ai même pas eu le temps de dire qu'il y a une holo à chaque booster au premier, puisqu'on a une ex. Ouais. Donc, bref. Vrombotor holographique. Très très belle holographique, franchement, et Pokémon que j'aime bien, franchement. Électrique. Wow, c'est énergie électrique de base, bien sûr, de base. Attention, de base. Pourquoi de base? Poulichombre. Champagnol. C'est Kirby. Il a dit champagnol, cet enculé. En plus, c'est Kirby, compagnol. De quoi c'est Kirby? Bah, la bouche. Ah oui! Olivini. J'espère que vous l'avez là. Terro-singe. Colossinge. Oh putain, faut la voir la ref, parce qu'elle vient de TikTok la ref, pas de YouTube. Scarino. Croc horrible. Très belle illustration. Tu l'aimais bien ce Pokémon, non? Oh, il sent pas. Bah oui, non, mais c'est bon. Flamant Roule, qui est dans mon équipe. Pas longtemps, mais qui a été dans mon équipe. Recherche professorale. Oh, le Sibanger. Ah bah. Allez, Poussachat en Reverse. Antoine, il a pas eu. C'est mon starter. C'est mon chercheur, ouais. C'est mon chercheur. Arbolivia. Oula. Que beaucoup pensent Arbolivia. Et franchement, là, les gars, les noms, c'est de pire en pire. Enfin, non, ça va. Mais bon, les noms sont à rallonge, quoi. Poussachat. Arbolivia, donc évolution. Tiens, par pur hasard, si vous allez dans les commentaires, qui c'est qui a choisi Poussachat? Et voilà, très bien. J'aimerais bien savoir s'il y a des gens qui ont Sniper. Énergie feu de base, le jour où on va pas avoir écrit de base, je pense on va halluciner. Crapado. Cradopo. Téden. Crapado. Lis plus les noms. Hein. Kirlia. Téden. Oh le pire, c'était les boosters. Très très belle illustration. En anglais, je disais rien. C'est moi qui disais rien parce que ce con il captait pas. Échange. Oh les mauvais élèves, les méchants garçons. Les harceleurs, sbire de la Team Star. Mangriffe. Gamé. Le gamin. Le gamin, littéralement. Topico, la connerie. Cadré comme du cul en plus. Patachio, le chien pâtisserie. Et une ex. Le chien français. Ah oh putain. Recherche professorale, le professeur. Ça, ça fait mal au cul, ça. Pardon. Énergie ténèbres. Énergie ténèbres. Courmelet, que la j'aime merde. Pas du tout. Ramolos, qui a une AR très drôle. Et il faut l'échanger pour qu'il ça évolue. Ça fait très Mangriffe. Lucario après avoir eu 42 Riolu. Plastron Rock de la merde. Balbalaise. Ferme ta gueule. Compagnon en Reverse. Mais j'aime trop ces Pokémon là. Ils sont trop drôles. Le Banger. Ouais, j'ai chié dessus. Champignon en Reverse. J'ai appelé Champignon tout à l'heure. Oh là. Et Flamigator. Oh attends, ils sont vraiment à ça. Oui. Énergie plante. Il a une attaque avec un Tropius, encore une fois, Pokéball. Motisma. Registre ami, la merde. Briochien, littéralement le chien brioche. Ah oui. Donc c'est l'évolution de. Charthor, Patachio. Patachio. Scovillain. Oui, il m'avait cassé les couilles lui. Gourmelet. Un banger. Un banger. Que dalle. Beaudrive. Un banger. Oh le putain! Craparoi. En holographique, qu'Antoine a eu aussi. Énergie feu! Énergie de base, bien évidemment. Parce qu'il n'y en a pas de spécial. Mon cul, putain, à la vanne. Pimito. On n'aura jamais d'autre énergie que de base. Hein. Potion. Potion. Mystépo. J'ai échangé Mystépo. Par Léviator. La récupération d'énergie. J'avais Léviator au début, il a dégagé. Pour? Muplodocus. Ah oui. Juge. À la fin, au début oui. C'était le chewing-gum là. Mustéflo. Mimosa, bah tiens, c'est la carte la plus chère en trainer alternate. Faut l'avoir la trainer alternate. Bam, Crocogrille. Ah bah voilà. Très déçu de la deuxième évolution. Heureusement qu'il évolue en Flamigator à la fin. Et qu'il est beau. Après, il est quand même marrant. Le banger. Que le dalle. Banger.
Multi XP. Oh, oh, ah non. Niascarade peut-être. Trop fort. Niascarade. Il arrive à prendre bien les Pokémon. Deuxième starter. C'est quand même dingue. Hein. En holographique. Très très belle holographique et très très beau Pokémon. Oh. Énergie Psy. Mustéboué. Méden, pardon. Ouais, d'accord, Mustéboué, carrément. Kirlia, il devient fou le gars. Échange. Échange. Je sais pas pourquoi je le sens mal pour toi. Chouchoudil. Ouais, non, je Chouchoudil. Florge. Rongrigou. Rongrigou. Prismillon. Prismillon. Le attention. Le banger. Attention, les deux prochaines cartes, ça détermine si Antoine est devenu nul à chier ou pas. Meditica en reverse, on s'attarde dessus déjà parce que j'allais la passer comme un connard. L'illustration est pas folle, on va pas se mentir. Allez, je me suis fait chier dessus. Bah non. Ah non. Allez. Chevroom. C'est déjà Chevroom le nom. Attends, il y a peut-être une carte coupée en deux. Oh. Et bam, Karmadura. Même pas Malvalam. Ce serait pas bon, basketteur. Basketteur. Oh, j'attends d'avoir la blague. Bon, comme d'hab. Je tisse une boule. Voilà, hop, la collection. Hop, on spoil. Bon, de toute façon, vous avez sûrement tous regardé sur Pokécardex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, toi. Bam, les sleeves, bien évidemment, à l'effigie de l'illustration du TB, ça n'en a plus besoin. Les petits séparateurs. Pas fou cette fois-ci. Non. Mais il y en a des plus beaux. Le dé, bien, le dé, il est à trois couleurs, avec bien évidemment le X. Tu vois, il est magnifique le dé, hein. Beaucoup mieux. Alors ouais, faudra peut-être que je fasse le focus. Regardez comme elle est belle et comme elle brille. Franchement. Masterclass. Masterclass, très content d'avoir réussi à avoir cette carte promo. Pas comme... J'ai fait avec une voix d'antagoniste. Voilà, sous sleeve, au pack. Après, il y a les Amazenta. Ouais, mais j'aime pas Amazenta. Maintenant que t'es pas en direct. Énergie de base. Combat. Énergie, point même, si on part en... Ah oui, énergie, point de base. Ah, elle est marrante, celle-là. Granivol. J'ai eu un Granivol Shiny sur épée bouclier, écarlate et violet. J'ai failli faire une connerie. J'ai failli rajouter un I avant le O. Je vais pas le dire parce que ça peut être mal pris. Ah oui, vraiment. Voilà. Ouais. J'ai failli le dire, mais je me suis retenu. Allez, on y va. Axolotl de Paldea qui évolue en terrestre, qui est très drôle comme Pokémon. Sonistrel. On n'a pas les mêmes boosters. Moi, je l'ai pas eu, lui. Ouais, effectivement, t'as pas eu Abitrini. Watapix, ça par contre, tu l'as eu pas beaucoup. Lui aussi. Diama. Ah, lui aussi. Famignol. Moi, j'aime bien la Famignol. Galère. Blizzy, donc on est déjà à la première river. J'ai donc là, il faut déjà faire gaffe. J'ai cru que c'était encore Blizzy, j'allais m'énerver. Elle est pliée, la Blizzy, non? Ouais, elle est pliée. Pousse à chat en reverse. Et a-t-on déjà un banger dans le Palma... Merde. Dans le Palmaval. Oh, je crois bien. Ah non. Non. J'ai cru ça. Délestin. Germéclat. L'illustration est dégueulasse. On est d'accord. C'est qui? C'est Kyo. C'est Kyo, bah tu dessines mal. Tu te rattraperas la prochaine fois. Putain, quel connard. Frigodo. Non, non, c'est beau quand même. Compagnol, on serait pas capable de faire le même dessin. Ouais. Putain, mais il y en a combien des Poussacha là? Poussacha, cette fois-ci pas Rivers du coup. Ah, elle est comme ça là. Belle balèze. Avec une voix de bourrée. Corvallus. Corvallus avec l'attaque accélérée. Il devient plus rapide. Deux sauts lourdeaux, hop, après on a trois sauts lourdeaux, bam, la première reverse. Passe rouge. Est-ce que l'un de nous deux va avoir vraiment une TG, ouais. Surtout c'est la question, bah non du coup... Parce que moi j'en ai pas eu sur mon ouverture. Hop, TG, la merde, TG là, ça veut clairement dire ta gueule. Oh, oh, oh là. Oh, une petite carte X. Eh, c'est Terra Crystal ça, non? Ah, c'est peut-être une X Terra Crystal. Bah je me dis parce qu'on dirait un cristal. Une étoile, ok, ah, bah, ouais, oui. C'est une simple X. Ah non, c'est pas une Terra Crystal. La sushi, là. La sushi. Bon, je tape sur un petit Rwagada ou Deden, etc. Crystal. Bon, moi je tape sur. Allez, j'ai eu raison.
Rwagada Extal. Terra Cristal. J'avais raison. Elle est cadrée comme un cul sur le haut et le bas et même sur les côtés. On s'en fout, c'est une Terra Cristal. Mais c'est pas grave. Même. On a une petite ex et pas une simple ex, une ex Terra Cristal. Première fois qu'on en a. Oui, c'est plus rare. Première fois qu'on en a une tous les deux. Oui. On a eu des ex, mais pas encore de ex Terra Cristal. Donc la première qu'on a. Et c'est très très stylé, honnêtement. Très sympathique. Elle fait peur. Enfin, il fait peur. Très belle petite carte pour commencer. Encore un petit peu psy. Bon, j'ai peut-être surréagi. PRJ plante de base. Allez. Les boulets rouges. C'était dans un TikTok qui n'est jamais sorti. Ouais. Peut-être en poule. Et qui n'est jamais sorti sur YouTube non plus d'ailleurs. On ne fait rien. Frigodo. Compagnol. Compagnol. Sidérea. Ça date de la meilleure génération, la 5ème. Criodo. Et je ne suis pas ouvert au débat. Brom. Évidemment. Brom. Cadoiseau en reverse. On va pas voir de TG. Hein. Non, non. Sur ma vie, tag, c'est tag. C'est une panne, tag, tag. Et a-t-on encore une. Voilà. Une holo. C'est. Fer de terre. Fer de terre. La tête qu'il a. Bah, elle est trop drôle. Fer de terre. L'un des Pokémon dominants. Énergie plante de base. Énergie feuille, c'est devenu. La méga canne. Love Disc. Love Disc. On peut faire ça pour tous les Pokémon. Hein. Pleasy. Passe rouge. Qui devient Brésillon. Bekipan, exactement. Oui, c'est mon pote là, en parlant du loup. Bah voilà. Tout simplement Brésillon, il suffit de le demander. Carte ultra rare alternative. Voilà, on sait jamais si on demande. Hein. Hein Vigoroth. T'as une carte alternative là ? Non, non. Ah ? Ou alors j'ai de la chance hein, si j'en ai. Alors, le focus, ce serait sympa, mais les anges, on n'aura pas de TG, hein, je sens. C'est quoi, c'est une ultra rare les TG à une époque bah, on je en sais avait pas, tout le temps. Bah, à l'époque, c'est ce qu'on avait Grand le plus. Vol. Niki, Niki. Bah, c'est bien, tu l'aimes bien. Que j'ai déjà en X d'ailleurs, puisque c'était la carte promo oui. du pack qu'on avait ouvert à l'époque. Mimiki. Énergie plante de base. Il n'y a eu que des golds. De toute façon, il y a l'extrait dans la vidéo, ouais, bah que oui. je vais montrer. Forgerette. Gribougraine. 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 Germéclat. Vivovent. Virovent. Azumarill. Azumarill. Apiren, Antoine n'a pas eu cadrage. Bon, le cadrage est à chier, mais Antoine n'a pas eu cette carte dans son ouverture, donc c'est non. bien. Pas celle-là non plus. C'est bien, on redécouvre quelques illustrations qu'on n'a pas vues avant. Hop, Elige. On a déjà eu MDR. Bon, le cadrage est ah, la première TG. Eh ben non, dans le cul, allez, studio d'entraînement. Et une ultra allez, non. Dans le cul. Très bien, en holo. Voltorb. Voltorb. Ah, ça, c'est Accurate avec l'énergie électrique. Clavel. Tropius, qui est dans toutes les collections. Un seau lourdeau. Un seau lourdeau, et pas deux seaux lourdeaux. Gouroutant. Electrode, bah tiens, on a eu les deux avec Voltorb. Tag tag. Trop puissant en reverse. Vous êtes prêts à pas avoir de TG ? Bam, ça aurait été drôle qu'il y en ait eu. Ouais, ouais, c'est... Bah, j'ai cru que c'était une TG avec le. Girafail. Et je pense pas d'ultra. Oh putain, t'as j'allais dire putain. Pas d'ultra. C'est quoi ça ? Je crois que c'est une simple X. Non, non. Si, si. Ah oui. De. Ah, peut-être un Pikachu, ce serait sympa. Pour l'image. Oh, oh non putain. Oh putain, oh putain. Oh, elle brille avec des étoiles. Bah oui, c'est pour ça que je pensais que c'est pas une simple ex, si. Si, si, c'est une simple ex. Voilà, le étoiles. Cadrage. Ouah la vache. Il a pris cher. Bruyverne ex type dragon. Il n'y a pas les petites... Il n'y a, pas les il y a plus il y a les pas petits les griffes, mais ouais, regardez comment ça brille avec des petites étoiles et tout dessus. Franchement, c'est super sympa les nouvelles ex. Alors, le coffret Kurosinge qui est sorti en juin ou juillet. Et c'est les nouveaux coffrets Pokémon. Donc, à l'époque, les coffrets ressemblaient à ça. Donc, ils étaient très grands. Et maintenant, donc, ils ont réduit la taille des coffrets. Comme vous voyez, ça fait la taille de ma main quasiment. Bon, j'ai vu sur internet que les prochains coffrets qui allaient sortir, ils reprenaient ce format-là. Donc, visiblement, les efforts n'auront pas duré très longtemps. Les boosters, on a deux évolutions à Paldea. Donc, ça, c'est très bien. Un écarlate et violet de base. Ça va. Et un astro radio, ça, c'est très bien aussi. Alors, les cartes promo, donc on a. Hop, Ferro Saint-Jolo. Donc, bon, là,
D'habitude, ils mettent pas l'holographisme sur les bords, mais là, vous avez vu, ils ont même mis des petites sphères d'holographisme sur les bords. Donc, Ferro-Singe. Colossinge, l'évolution. Et donc, bien évidemment, la carte du pack. C'est donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, la nouvelle évolution de Colossinge dans Pokémon Écarlate et Violet, qui est Kurosinge X, qui est normalement de type combat spectre, mais vu que le type spectre, ça n'existe pas sur les cartes Pokémon, forcément, il n'est pas de type spectre. Et donc, on a les petites étoiles classiques sur les cartes X. Bon, ça se voit mieux à l'œil nu que la caméra, malheureusement, mais c'est pas grave. Voilà. Donc la Baojian X, bon, forcément, c'est une carte géante, donc c'est pas forcément intéressant, mais c'est exactement la même que dans Évolution à Paldea. Tombero, donc chien tombe, littéralement, de type spectre. Et là, la brillance, elle est encore plus belle que sur le Evoli. Donc énergie acier. Tropius, qui est dans toutes les collections de cartes depuis 8 ans, et qui a enfin eu une carte AR spéciale pour lui. Pokéball. Motisma, donc voilà également pour ceux qui n'ont pas suivi, maintenant les bords ils sont gris. Registrami. Canarbello, le pire Pokémon de la 9ème génération, vraiment. Motorizar. Terracruel. Donc là on a les nouvelles Reverse. Bon alors c'est super, on a une Reverse où ça se voit pas, donc deuxième Reverse. Ok, bon bah. Pas de deuxième Reverse, je crois qu'on a déjà une ultra rare. C'est une... Oula, 250 sur 198. Donc là, on a une secret. Regardez. 250 sur 198. Donc, je voulais vous montrer une Reverse, pas de bol. Mais là, c'est une très très grosse carte. Et c'est Jacques. C'est une trainer alternative. Donc ça, c'est très très rare, attention. Et on a une double ultra rare derrière. Regardez, donc ça, c'est une X. Et je l'ai déjà, malheureusement, c'est une double. Bon, c'est pas grave, parce qu'on a eu une autre carte avant, donc Philanthrope X, on s'en fout un petit peu. Par contre, là, on a une secrète, donc... Il y a une notification YouTube, vous la voyez pas. Donc la 250 sur 198, c'est donc Jacques Full Art Alternative. Bon, c'est pas une carte qui cote beaucoup, parce que cette carte, elle est pas très recherchée, mais c'est une alternative. Dès le premier booster, en plus, énergie combat de base. Sachant que si on a la Dracaufeu... alternative, je serais quand même content. Regardez-moi ce cadrage de merde. C'est génial. Happy Trini. Heureusement, tout le booster est pas comme ça. Vrombi. Ambrilex. Du moins que c'est pas ultra rare qui est cadré comme ça, ça va. Melo. Tiens, d'ailleurs, comment j'y suis. La Jacques est bien cadré. Sbire de la Team Star. Altaria, cadré comme de la merde aussi, c'est dommage parce que celle-là elle est sympa. Misdibule, mal cadré aussi, c'est génial. J'adore la vie. Funessir, parce qu'il y a un Lugulabre holographique dans cette série, donc j'aimerais bien l'avoir. Deuxième reverse, donc Toxizap. Et dernière carte. Ah oui, ça c'est pas. 218 sur 197, ça c'est pas une holographique, ça c'est une dresseur, ça. Regardez. On reconnaît. Ah, c'est Alisma. Et ouais, voilà. L'une des plus belles, si ce n'est peut-être la plus belle trainer full art de la série. Alisma, donc la maître de la ligue de Paldea. Très très belle full art. Ça fait déjà deux trainers full art dans l'ouverture. Bon, celle-là, c'est pas une alternative. C'est la Alisma de base. Et l'alternative, elle a pas du tout cette illustration. On a déjà deux secrets, hein, du coup. Énergie électrique. Hop là, c'est un type plante après. Pyronille. Brindibou. Sapero. Les cartes glissent beaucoup trop, par contre. Olivini. Fragouin, pire Pokémon aussi, là, de nouvelle génération, vraiment. Malamandre. Lugarok, c'est pas encore la reverse. On est à la première reverse. Mastouf. Une deuxième reverse. Anchouette. Et une holographique. Oh, Kaorin. J'aime beaucoup l'illustration de celle-là. En plus, avec l'holographisme, du coup... C'est super beau. Chouette, ouais. Celle-là, on va la garder. Énergie ténèbre. Scalpion, qui normalement est de type ténèbre et acier, mais du coup, il y en a acier.
Pour chou en pâte à modeler, c'est pas très beau, on va pas se mentir. Crabe à gare. Mélofé en pâte à modeler. Loup-garoc, qu'on a déjà eu tout à l'heure du coup. Tarinorme, c'est pas encore les rivers. Linéon. On a la première reverse, donc Camerupt. Très sympa. Ensuite, on a toujours une reverse Togedemaru. Et en dernière carte, ce sera une simple holographique. Oh, oh oui, une belle holographique en plus avec Darkrai. Énergie Psy. J'ai pris deux cartes MDR. Trompignon. Roucoule. Funessir. Les prochaines opening Pokémon, on les fera assis parce que je suis en train de me péter le dos. Manglouton. Barbicha. Mustéflo. Mustéflotte. Oh, la Noctalie qui apparemment vaut très cher en reverse. Donc, ce serait bien d'essayer de l'avoir en reverse, mais en tout cas, l'illustration, elle est super belle. D'ailleurs, c'est la première fois qu'une reverse dans une collection comme ça vaut aux alentours des 20 euros. Bah, tout tombe, tiens, la pré-évolution de Tombero qu'on a eue en holo. Ici, on a juste une simple reverse. Charbambin. Et... alors là, c'est une ex, parce que comme vous voyez, 216 sur 197, donc une secrète, c'est possiblement... et bah, c'est orange. Est-ce qu'on n'aurait pas la Dracaufeu Full Art par hasard en parlant de Dracaufeu? Non, je pense pas que ce soit Dracaufeu. Ok, non, bah l'une des autres mascottes de la série, regardez, il est là. Vrombotor ex, ex Full Art en plus, magnifique. Très très grosse carte, là, une Full Art. En plus, Vrombotor est un Pokémon que j'aime beaucoup dans la nouvelle génération. Et là, on a une très belle Full Art, bon, encore une fois, pas super bien cadrée comme vous pouvez le voir sur le côté gauche. Mais c'est pas très grave. En tout cas, très belle ex. Énergie Ténèbres, il y en a deux qui sont partis, c'est pas grave. Tritonde. Aflamanoir, on l'avait pas encore eu cette illustration, tiens. Ponchio. Tritonde non plus d'ailleurs, on l'avait pas eu. Toxizap. Darumacho, bah ça c'est bien, on a des cartes qu'on n'avait pas encore eu du coup. Et Flèche. Croaporal. Premier reverse, bah, Sapero qu'on a depuis tout à l'heure. Une simple reverse. Charbambin. Ouais, non, c'est pas une holographique normale, là, regardez, il y a des éclairs, donc ouais. C'est une ex. Il y a des petites étoiles et tout. C'est peut-être Miraidon, parce que là, c'est type électrique. Non, c'est pas Coraidon, c'est Pomarmotte ex, le plagiat de Pikachu de cette génération. Avec toutes les petites étoiles, vous voyez, là. Eh ben, donc une petite Pomarmotte ex. Ça tombe bien parce que Philanthrape, ça m'avait un peu saoulé d'avoir une ex en double, donc là, on en a une que j'avais pas encore. Pomarmotte qui a un tout petit problème de cadrage, mais comme vous le voyez, ça se voit quasiment pas. Ouais. Bon, alors vous verrez cette vidéo YouTube, il a repris depuis longtemps. Mais à l'heure où on la tourne, il a pas encore repris. Alors, déjà, ta gueule, Java. Il y a Flamme Obsidienne. Donc, je disais avant que Java m'éclate. Putain, elle est magnifique, la X. On est d'accord. Pour une carte promo de Pokébox. Bon, le cadrage, c'est pas ça. Bon. Hein, on reprend les bonnes vieilles habitudes. Pokémon Company, le cadrage, il est pas fifou, mais Théma, regardez comment elle brille, quoi. Après, en soi, le cadrage, là, ah, si on voit qu'il est foire, en fait. Pardon. Et on surtout va retrouver le super cadrage de Star Etincelante. Oh, bien rigolé. Énergie Ténèbres. Pimito. Mamambo. Ce style de dessin revient beaucoup dans les dernières séries. Et c'est stylé. Ah, c'est le Pikachu nul. Pomote. Terra Cool, c'est bien, il peut plus faire la blague, Antoine. Deux. Ah oui, c'est Chapignon. Bien. Ouais. Ah, ils ont changé du coup. Fulgulero. On se souvient de Turbudog, hein, en 8ème. Ron Grégou. Premier reverse, Florge. Florges. Jamais su comment on disait. Attention, on peut déjà avoir un truc, ouais. C'est un reverse. Bah tiens, Terra Cruel, l'évolution de Terra Cool. Et. Ah, bah, c'est une ex. Oui, c'est une ex, regardez. Bah, déjà, il y a deux étoiles, et puis surtout, bah, vous voyez sur le côté qu'il y a des. C'est pas du gris comme on a l'habitude. Alors.
le type spectre ténèbres. Ouais, pardon. Il s'est foiré. Ténèbres. Oh merde, ce serait pas le Dracofeu type ténèbres? Non, c'est bon. J'ai eu très peur. Coatox X. Ah mais non, c'est pas... Oui, non, je suis con, c'est pas Flamme Obsidienne, c'est Carité Violet de base qu'on va découvrir. Donc, déjà, premier drop dès la premier booster, ça fait plaisir. En plus, elle est très très belle, et, regardez et... les reflets. Moi, je trouve qu'elle est bien cadrée. Coatox X. Attention. Ah ouais. Un chouïa. Si vous vous y connaissez pas, ça se voit pas. Super, t'es mal état de la carte. Énergie ténèbres. Bon, on s'en fout, c'est l'énergie. Misdibule. Misdibule. Je l'avais appelé comment celle-là déjà? Misdibule. Ok. Togué des marmots. Tout tombe. Bah tiens, tout tombe du coup. On retrouve. Après avoir eu tombé au Gourmelet, pire Pokémon de la 9G avec. Il ressemble à Grifi, mais avec l'évolution. C'est pas comment l'évolution? J'ai oublié tellement je l'aime pas. Bref, lettre d'encouragement. Ah bah tiens, Lugulabre. Il y en a pas qui tombe. Fragroin, voilà. Ah bah c'est bon, il l'a trouvé. Casquette de patrouille. Reverse. Un sécateur Reverse, qu'on voit quasiment pas que c'est un Reverse d'ailleurs. Que dalle. Il peut y avoir quelque chose à la deuxième Reverse. Ah oui, c'est là qu'il y a les TG. Attends, ce serait pas un... Ouais, une ex... Type plante, non? Ah non, type psy. Type psy. C'est sur Flamme Obsidienne. Ouais. On va regarder les attaques vite fait. Melodelph, d'accord, Melodelph X. Très très sympa aussi, qui brille bien. Deux X en quatre boosters. Par contre, le cadrage est foiré. Ça se voit tout de suite avec le haut et le bas. Ah, ah non, ça va. Ah non, ça va. Ça va encore. Ouais, non, ça va. Elle est... c'est la mieux cadrée qu'on ait eu aujourd'hui, les gars. Non, Coatox, elle est bien aussi. Je crois que le cadrage est mieux que Coatox, parce que Coatox, c'est minime. Mais là, je crois que c'est très bien cadré. D'accord. Bon bah 2x en 4 boosters, bon on compte la promo, non ça fait 3, mais 2x en 4 boosters, franchement, très bon taux de drop. Alors là on a du stock, hein. Il y a du stock aujourd'hui. Il y a du produit là. Alors. Et c'est pas une ouverture de Noël. Alors, c'est ça, le truc exclusif que j'ai réussi à trouver, je sais pas comment j'ai fait, c'est un pack Jirachivé. Ensuite il y a la merde. Ensuite il y a la deuxième merde. Le pack commence déjà, il est déjà en train de crash tool. Et ensuite il y a le TB, le meilleur produit d'ouverture. Elle était pas prévue, hein. Ouais, non, on l'a eu il y a 30 minutes. Ouais. Ouais, parce que oui, il y a des comptes à régler avec 151. La douille là. Qu'est-ce que vous avez branlé? La douillasse. Qu'est-ce que vous avez branlé, Pokémon Compagnie? J'en ai plus rien à foutre de dire de la merde sur vous. De toute façon, j'ai déjà un partenariat avec le mouse. Ouais. Rien à foutre d'être sponsorisé par Pokémon. Pourquoi vous avez niqué la meilleure collection de l'année? Simple question, hein. Et en plus, on est même pas dans le cadre quand on vous pose la question. Bah, faut se reculer un peu. Puis vos packs de merde, là, qui s'ouvrent pas. Le pack, pour ceux que ça intéresse, il vaut 20€ à Carrefour. Ça, c'est les invendus, ça, bien sûr. Ah bah, s'il vaut 20€, c'est les invendus, hein. Normalement, c'est 25€. En gros, la console, elle est belle. Putain, elle est bien cadrée? Non. Vous vous rendez compte à quel point on en est, là? On s'étonne quand elle c'est bien cadré. Cadrée. Oh, la dinguerie. Oh bah, calme-toi. Je sais qu'on a crié, mais... Oui, plus le son est fort, plus ça... D'accord. Elle est belle, hein. Faut beaucoup de sens. Bon, elle a pas de défaut de bulle d'air comme Antoine avait fumé quelque chose. Non, mais c'était sur le plastique. Ouais, elle non, est bien cadrée. C'était sur le plastique. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est Pokémon et compagnie, là? Pokémon et compagnie, il a dit, hein. Ah oui, ok. C'est monstre et compagnie. Alors, la merde. Bande d'enfoirés. De fils de pute de vos morts, ça s'est bipé parce que j'ai pas envie d'avoir la vidéo YouTube bloquée. Par contre, le pire, c'est pour la troisième acheter. Ah bon, histoire d'avoir au moins un truc sur cet intérieur ouvrir. Alors, j'espère que. Oui, parce que c'était sur ton truc TikTok. Oui. Ah oui, t'as prédit. Ouais, je vais avoir une holographique énergie feu et c'est tout. Si je l'ai, c'est terrifiant. Retenez bien. Jumbo et Traviole. 151, le drop à chier. J'ai cru qu'on était sur TikTok. Taux de drop à chier, pas de stock. Les cartes sont belles, c'est le seul truc qui est... Attends, les cartes sont belles. Il y a certaines les communes... Les ultras sont belles. Voilà. Voilà. Parce que certaines communes, bah, elles sont trisons. Hein. La petite Electarex, du coup. Regarde le manager. Parce que moi, je l'ai vu, la collection Fight Paradox. Carte que la collection 151 Electarex, c'est juste qu'ils l'ont mis au lot. Oh merde. Vous connaissez notre avis à moi et Antoine sur le Pokémon en question Dracofeu. Dracomère. Eh, il y a un pack exactement le même qui est sorti en Angleterre, Léviator. Je veux le voir en France.
Un pack Léviator comme ça. Le même avec, avec un truc Léviator comme ça, ouais. Et ouais, cette Léviator là. Extra cristal. Donc s'il sort en France, je l'achète. Le drop il était à chier aussi. Salamèche, bien cadré. T'as de la chance. Mais il y a des micro-rayures. Ah. On peut pas tout avoir. Incroyable. Une reptincelle. Bien cadrée aussi. Elle est mal cadrée. C'est étonnant. Au moins elle est belle. Elle est comment la mienne? Il y a des sleeves. On te voit sur le côté. Il y a des sleeves Dracaufeu, voilà. Ouais, un bon paquet de 65 au moins. Ah, attention, gros, c'est un une fois que c'est mis, tu peux plus retirer. Voilà. C'est un display de cartes, en gros, vous le posez comme ça. Et ça expose l'une de vos cartes. Wouah! Oh non, c'est pas dedans! Théma! 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 Elle est où la carte promo? Ça va. Non mais alors là... Que vous fassiez pas d'efforts sur les cartes... Please! Eh bah vous savez quoi, prenez le code. Prenez le code, voilà. Vous l'avez pris? Les poubelles. Disons que c'est le seul code que je vais donner dans la vidéo. Je donne pas les autres. Ouais, même l'OTB elle s'assume pas. Bon, j'espère que vous avez profité du code. Je sais pas ce que ça donne. Je crois que ça donne juste la carte promo. Le pack d'énergie. Les sleeves. Voilà, la carte promo de fer. Elle est bien cadrée. Celle d'Antoine était à chier. Mal cadrée. De toute façon, toutes mes cartes... De toute façon, vous allez le voir. Hein. Dans tout mon TikTok, à chaque fois que j'ai un hit, c'est mal cadré. Allez, déjà, on n'a pas une énergie... J'espère que tu vas en avoir une quand même. On n'a pas une énergie holo. Alors. Ça tourne bien. Oui. Ouais, super. Et là, ça tourne bien aussi. 51 de mes couilles. Alors, Magmar. Ouf, l'illustration. Chier. Hippotrempe, ça va. Fallait que quelqu'un commence. Abra, putain, non, mais cette carte elle date d'il y a longtemps, je suis désolé. Je suis persuadé de l'avoir. Donc, est-ce que tu vas voir le même cadrage que moi? Merde de mes couilles. C'est le cadrage. Top bigger, bah regarde. Ouais, mais ouais, c'était quand même incroyable. Là, y a eu... oh, bah, ça commence. Transfert de Léo, on a vu un truc, non, à la fin? Parce que ouais, moi j'ai l'impression d'avoir vu un truc. Ouais, j'ai l'impression. Après, c'est peut-être l'holographie. Nosferatu, après le problème, c'est que c'est une carte noire. Et normalement, les cartes noires, il n'y a plus de V. Donc. Mais non, c'est 151. Ouais, c'est pour ça que c'est inquiétant. Ouais, mais c'est des ex. Ah, moi, bah, oui, c'est pour ça que c'est inquiétant. Ah, oui. Ah, oui, il y a quelque chose. Ok, c'est une simple reverse. Ramolos, elle est sympa, Ramolos. Pikachu. Sympa. Ouais. Ton illustration en vrai. Et c'est l'holographisme. Terra. Pas folle. Bon, bah, faut être honnête. Hein. La collection était bien en vrai. Les cartes, les ultras étaient belles. Le stock, le taux de drop. Baiser. Complet. Ah oui, il y a des dates de sortie qui reviennent dans le passé et tout. Je sais pas ce qu'ils ont branlé. Ils sont pris pour Jérémy dans Code Yoko, ces bâtards. Ouais, on a pas de drop. Super. Putain, c'est moche. Hein. C'est considéré comme des ultra rares, ça. Ça n'a même pas les textures full art. Bon, bah, tu as vu qu'on a rien. Nosferapti, Poissirène, Nidoran, Phantominus, Nidoqueen, Ampiflore, gros ballon. C'est marrant, ça. Attention quand même. Monsieur Mime, Rondoudou, allez, hop. Articodin, bah, c'est sympa au moins. Ah, ma grosse bite. Elle est bien cadrée. Hein. Elle est bien cadrée. Ah ouais? Je sais même pas comment c'est possible. C'est tout étonnant. Énergie électrique, allez voir ces TikTok encore une fois, même s'ils commencent à dater, puisqu'on tourne en avance. Mélofée, Machoc, Porygon. Ça vient des anciennes collections! Porygon, oui. Je vous jure, ils ont réimprimé. Ça vient de XY de 2016. Évolution. Bon, alors là, Electek, Sapo, Kabuto, Ortide, Trio Picker. Attends, oh, elle est belle quand même celle-là. Ça va, c'est sympa. Oh! 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 Ah, bah voilà! Oh, elle est belle! Tu vois, je te l'ai dit! Allez! C'est pas le seul drop! Ah, la voix, il a fait la même voix que. Regarde! Regarde! Il y a Mickey qui est en train de bouffer la carte là. Ah oui! Allez, pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi je parlais de Mickey. Regarde, il y a un espace! Tu sais, c'est les trucs pour essuyer les écrans de téléphone. Ça date, ça? Ouais, ça date. C'était ma soeur. Ah, juste qu'elle en voulait plus. C'est bien cadré, hein. C'est bien cadré, c'est étonnant. Ouais. Petite chenille en air. Allez, allez, on peut ouvrir le booster rapidement, du coup. Dodio, Tentacool, Ratata. C'est celle de Pokémon Go, je vous jure.
On dirait Carapuce, Ed de Nina, Aéromite, Galopa. Attends, on va doucement quand même. Va doucement quand même. J'ai un booster bugué. Normalement, quand t'as ça, y'a rien. Un booster bugué. Je te l'avais dit de pas aller vite. Hein. Je te l'avais dit. Y'a un booster bugué en 151, les gars. 4 boosters, 4 drops. Ah non, parce que c'est dans le même booster. Ouais, mais on s'en fout. 4 boosters, 4 drops quand même. Y'a 4 ultra. Putain, bâtard, t'as eu l'arrêt de tincelle. On va rapprocher ça, les gars, vous m'en voudrez pas. Il y a une carte qui... peut. Oh, putain. Alors, pourquoi, oui, on réagit à la météo? Parce qu'on va faire un Escape Z. Bon, un Escape Game. Un Escape Game. Ça s'appelle Escape Z. Ça s'appelle Escape Z. Avec l'année dernière, c'était le 28 octobre, là c'est le 4 novembre. Bon, ça nique un peu l'esprit d'Halloween, mais c'est pas grave. Après le 27, on était occupé, on était à une avant-première. Ouais, mais non, t'as dit le 28, donc on était bon. Ouais, mais tout. Ah oui. Le 27, on était à une avant-première. On était à l'avant-première. Vous savez de quel film? Voilà. Five Nights at Freddy's, bien sûr. Incroyable. Si vous me suivez sur TikTok, vous le savez. Oh, plus que. On dirait carrément des graines mélangées à de la pluie. Oh, c'est quoi ce temps de merde là? Elle est pas cadrée. Oh la vache. Alors c'est une carte qui est très belle et le cadrage est niqué. Bon, je vais pas vous mentir que celle qui m'intéressait le plus dans les starters c'était la Florizar X, mais on va pas se plaindre. Quand on voit le totem de 151, je vais clairement pas me plaindre, croyez-moi. Flante. Il a vraiment dit flante cet enculé. Ok. RJ plante de base. Brosloam, Axolotl de Paldea, Mustéboué, Olivini. Et flèches. Vas-y, bouge la tantouche. Croix-Poral, Limonde, Goupix en reverse, c'est sympa comme reverse. Au Massacre, Antoine il a eu aussi. Ouais. Ah, c'est une ex. Terra Crystal. C'est Drac. C'est la Drac au feu ex Terra Crystal. La petite Drac au feu ex Terra Crystal. Comment t'as reconnu? Je crois que c'est les boosters du pack Drac au feu. Ah putain, le pack Drac. Le pack Drac dans lequel on pack Drac. Comme il arrange ça. Parce que je sais que la Drac au feu Terra Crystal, elle est type ténèbres. Ah ouais, les ténèbres. Je l'ai pas vu. Bon bah la Drac. Bah elle est belle. Ça fait deux Drac au feu, deux Reptincelles hein, dans la journée. Oui. Ça fout. Le Drac au feu X qui est étonnamment mal cadré. Là c'est léger, ça se voit très peu en Est-ce vrai. Est-ce que c'est étonnant que c'est mal cadré? En plus, dans un booster Drac au feu. Hein. Ouais. Tu veux la vanne? On l'avait dit, ça allait tomber à un moment dans l'ouverture. Alors. NRJ combat de base, oui. Non mais oui. C'est la mèche, battu. Attends, non, non. Mini Draco. Oh les fils de pute. Après ils ont le droit, c'est Flamme Obsidienne. Oui, après oui. Hysterbe, si on a le Salamèche, si on a la Rétincelle, pardon, je rigole, je suis sûr c'est le même. Scalper of Fragment, et puis je suis sûr la Draco Feu de ces boosters là, c'est la même aussi. Hein. Oh, Lettre bah, d'encouragement, un sécateur reverse. Dresser Dume-toi. Reverse. Centre commercial en reverse. Et une petite ex basique. Oh, elle est belle. Oh, Miraidon. Miraidon ex. Elle est cadrée. Comme de la merde. Comme de la merde. On a l'habitude. Ah bah maintenant on est habitué. Hein. Pas se mentir, la Miraidon X est pas folle. Pas très belle. Bon, bon après c'est un légendaire quand même. Ouais, c'est un légendaire de la génération, c'est des motos quoi. Énergie acier de base qu'on a eu avec en super holo tout à l'heure. Krabagar. Mélofé. Après j'ai tout fait dans le désordre. Pimito, centre commercial. Ouais. Il a pas compris le jeu lui. Bah en fait je suis allé dans les centres Trio Pico, Pokémon, ils m'ont dit d'aller là-bas. Darumacho, Mastouf, Polagriff, Reverse, Tefroin en Reverse et pas Techo. Oh c'est Dracofeu. Corenex. Oh, Apirenex Terra Crystal. Apiren qu'on voit pas souvent mis en avant. Et B, on reconnaîtra. Flamme Obsidienne, c'est quoi ce délire? 4 boosters 3X hein. Ouais. Par contre elle est cadrée comme la merde. Petite Apirène ex Terra Crystal, on rappelle, hein, comme le Drac. C'est connu, hein, que c'est cadré comme de la merde. Eh, hey, la Miraidon, elle était dans le booster dégueu. Megavolt, tiens. Baby Manta. Baby Manta. Qui a une AR. Ah ouais? Feuille à joue. Ah bah oui, je l'ai vu, je suis Negapi. Bon. Flo tout temps. Bah, il nous manque plus qu'un. Oh! Zebritz. Attention. Capluxueuse. Ouais, mais c'est Zebritz, pas Zebritz. Ouais, ouais, mais il est possible qu'il y ait quelque chose. Octierie, bah, y'a que dalle. Allez. Ouah, sa mère! Oh la vache! Oh la vache! Il y a quelque chose! Oh, c'est Blitz! Je l'avais dit! Oh la vache, putain, en plus, un légendaire! Et mal cadré. Ouais, on s'en fout, c'est une putain de full art. Elle est incroyable!
Oh putain. Je te l'avais dit, hein. Si, attendez pas. Je te l'avais... Bah si, je te l'avais Tocorico dit. Ex Full Art. Donc elle a les deux étoiles dorées. Ah, ça va en vrai le cadrage, hein. Ouais. C'est relativement correct. Bon, il y a quelques petites imperfections, ça se voit. Par contre, regarde comment elle ressort à la caméra. Oh putain, ouais. Alors qu'à l'œil nu, ouais. L'œil nu, ça ressort. Et vous avez une meilleure qualité ouais. à la caméra, les gars. Je le regarde. C'est pas ça, je fais ce qui était. Cassier, j'ai une super holo, vous en souvenez? Allez. J'adore. Flamme à joue. Le terme que t'as utilisé. Scorplan, Larvadar, énergie ah, médicale. Oh là là, c'est mal cadré. Voilà. Là voilà. La... Ouais, on s'en fout. La petite hotte de fer temps futur, du coup. Là, c'est la seule qui est mal cadrée. Scorvol. Cayenne. Oh. Oh, AR. Oh, oh la vache! Porygon Z, sympa. Théma. C'est dommage qu'ils soient en tout petit comme ça. Donc c'est bien évidemment le Trioxydre du futur. Incroyable. Trioxydre, encore une fois, qui vient de la 5ème génération. Demain, bah. À quand le remake? Elle est mal cadrée. Elle est mal cadrée. T'es chier. Tête de fer AR. Temps futur, bien évidemment, du coup. Énergie de ténèbres de base. Oh, Zébibron, attention. Oh, attention. Voyez, Zébibron, dans le coin, il est souvent Burpo, ultra. Capumain, Nostanfer, ça s'est même vérifié avec le TB d'Antoine. Ouais. Pierrick, Candine, Onyx, Larvadar, effectivement. Et c'est une terrain assez Altaria, X. On aurait préféré avoir la X Alternate de Altaria, bien évidemment. Oui. Mais on est déjà content. Je suis contente de ce qu'on a. Zébibron, ultra rare. Altaria qui est deux travioles. Ah. C'est même pas mal cadré, c'est deux travioles. Bon. On a l'habitude. Oh, par contre, il y a de belles couleurs là. La petite Altaria X. Ah ouais, il n'y a pas un arc-en-ciel qui se balade dans le coin. Et voilà ce qui termine, mesdames et messieurs, cette ouverture, enfin, du moins ce best-of plutôt, de toutes les ouvertures Pokémon que j'ai réalisées durant l'année 2023. Et vous l'avez vu, ça a été une très belle année. Très belle collection, et vous l'avez vu à la cagnotte totale de l'année, ça a aussi bien, bien rentabilisé tous les produits que j'ai achetés. Même si vous le savez, moi je fais pas ça pour l'argent, je fais ça pour la collection. À la limite, quand j'ai des cartes en double, je les revends, je les échange, mais en tout cas, les cartes, je les garde en collection. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, je sais que les vidéos Pokémon et les vidéos en featuring, notamment avec Antoine, ça plaît beaucoup. Donc si la vidéo vous a plu, bien évidemment, je vous fais le discours habituel, laissez un like, mettez un commentaire, et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Bien évidemment, si vous voulez du contenu plus régulier de ma part, il faut me suivre sur TikTok, sur ce compte TikTok, c'est là où je suis le plus actif. Il y a un nouveau TikTok tous les 3 jours sur le thème de l'horreur, l'actualité, sur des films comme Bendy, FNAF, les Backrooms. Des fois, on parle de Pokémon aussi sur mon compte TikTok, que ce soit par rapport... j'avais par exemple fait une réaction au Pokémon Present avec l'annonce de Pokémon de Pokémon Legends ZA. J'ai un TikTok derrière en brouillon qui sera peut-être sorti d'ici là, qui parle justement plus en détail de cette annonce, etc., etc. Donc voilà, si vous voulez du contenu Pokémon plus régulier, suivez-moi sur TikTok. Voilà, suivez-moi également sur TikTok pour avoir des news sur l'avancée des vidéos, je poste souvent ça en story. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo qui sera pas tout de suite, parce que la prochaine vidéo du coup c'est à nouveau le nouvel épisode d'Affaires Inclassables sur l'histoire des jeux FNAF, c'est la prochaine vidéo que je sors. J'essaye de sortir... une vidéo qui n'est pas affaire inclassable entre chaque épisode avant de finir FNAF. Et après, une fois que j'aurai fini les affaires inclassables sur FNAF, on fera une petite pause d'affaires inclassables avec 2-3 vidéos sur d'autres thèmes avant d'en ressortir une. Mais voilà, l'histoire des jeux FNAF, ça prend beaucoup de temps, donc j'essaye de les sortir au rythme de une vidéo entre chaque, histoire non plus de ne pas faire une overdose de FNAF. Et surtout, cette vidéo Pokémon, fallait que je la sorte, parce qu'au bout d'un moment, je vais pas sortir la vidéo en septembre. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera du coup le nouvel épisode d'Affaires Inclassables. D'ici là, portez-vous bien, c'était Lightfire. Ciao !